Bien, bonjour ou bonsoir à tout le monde et ravi de vous accueillir ici à la maison de l'agglomération, dans notre salle du conseil, qui sert beaucoup finalement et est faite pour ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de manifestations qui se déroulent dans cette enceinte et vous êtes bien sûr les bienvenus. Les bienvenus, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tous les partenaires de la Maison de la Mer, on va dire comme ça, les choses. Évidemment, si on se réfère à la création de ce bel outil, institution, je ne sais pas comment on va dire, en tout cas, c'est parce qu'il y avait, je m'en souviens bien, même si ça nous fait quelque chose, parce que ça ne nous rajeunit pas, comme dit l'autre, hein, nous étions dans les années 85, 86, 87, lorsque l'institution a été créée, dans un contexte économique qui n'était pas sur l'économie maritime ce qu'il est aujourd'hui, il faut bien le dire, mais qui était une réelle nécessité, puis une vision territoriale qui avait pour objectif de fédérer les acteurs. C'était pas si évident que ça à l'époque, hein. On s'en souvient tous. Fédérer les acteurs sur toutes les problématiques maritimes, qui faisait qu'à cette époque, dans le contexte économique et social qu'on a pu connaître, c'était à la fois une vision et puis une réelle volonté, justement, de fédérer tout le monde, d'associer tout le monde, tous les partenaires, sur cette notion de développement de la culture scientifique et technique autour des activités maritimes. La pêche, bien sûr, mais aussi toutes les autres. J'épilogue pas. Et on voit aujourd'hui le chemin parcouru par le rôle qu'a pu jouer. Alors moi, dans mon esprit, c'est toujours le CCSTI, mais ça a évolué maintenant dans les sigles, les missions, puisqu'il y a aussi une reconnaissance non seulement régionale, mais nationale, une labellisation qui finalement s'appuie sur les résultats, sur l'ambition et puis sur tout ce qui a pu être fait et organisé et qui vise bien sûr à sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens sur ces questions-là. Je pense aux écoles, je pense aux scolaires, aux lycées, aux collèges, etc. Mais je pense aussi à tout ce qui peut se développer en matière de travail scientifique et technique et qui apporte à notre territoire une dimension, au-delà de ses missions économiques et sociales, une dimension forte que je tiens à souligner et à saluer. Voilà, donc ces 30 ans, alors, ça fait jeune, hein, mais ça veut dire aussi beaucoup de chemin parcouru, avec des hauts et des bas, parce que dans la vie d'un territoire, il y a parfois des décisions un peu compliquées à prendre, mais en même temps avec le réel souci de s'adapter, d'anticiper. Et la participation, par exemple, de ce travail à la fête de la science est un élément extrêmement important chaque année pour réunir pas mal d'acteurs. C'est l'innovation, c'est l'initiative, c'est aussi le souci d'exposer au travers des conférences, au travers des rencontres, des échanges, une façon de montrer finalement ce qu'est l'identité de notre territoire et ce qu'il peut apporter dans ce domaine-là. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir à cette occasion. Bon, je sais qu'il y a un programme pour cet après-midi, donc sans plus tarder, et pour ne pas me faire remettre à l'ordre, donc je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Norbert. Tout d'abord, merci à tous d'être présents. Et je me permets de lire un message de notre ancien maire de Lorient, Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. Bon, mes chers amis, je ne pouvais être aujourd'hui parmi vous, mais je tenais à vous dire, par ces quelques mots, la joie que j'éprouve à l'idée que la Maison de la Mer fête aujourd'hui ses 30 ans. 30 ans déjà. Quelle route parcourue durant ces trois décennies et combien de souvenirs dans leur sillage. En créant cette maison, que voulions-nous donc il y a 30 ans? Tout simplement bâtir un lieu qui matérialise une réalité sensible à tous les Lorientais, celle de notre inscription maritime, un lieu où la communauté des gens de mer, au sens le plus large du terme, puisse non seulement se rassembler, mais se faire connaître et susciter de nouvelles vocations.
C'est une évidence aujourd'hui, mais encore fallait-il y penser et surtout le vouloir. La Maison de la Mer est depuis sa création un lieu de rassemblement et de synergie entre les différents mondes dont le milieu maritime est composé. Monde de la culture, monde des sciences et des techniques, monde de l'industrie et de l'artisanat. C'était répondre non seulement à un enjeu patrimonial, mais aussi à un enjeu de diffusion et d'éducation pour préparer l'avenir de notre territoire. Cette exigence nous accompagne depuis 30 ans. Elle est toujours devant nous. Je la retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans mes fonctions de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, parce que la mer est un enjeu de puissance et de souveraineté, tant l'histoire nous a démontré qu'il n'est pas de grandeur française sans puissance maritime. La mer est aussi une source de richesse et de développement, dont nous n'avons pas encore exploré toutes les potentialités. La mondialisation, parce qu'elle passe nécessairement par les océans, est aussi une maritimisation. Une partie de notre avenir se trouve en mer, dans le développement d'une économie maritime forte, diversifiée et innovante. Il nous faut donc maintenir et développer les emplois maritimes, former aux métiers de la mer, conforter les activités existantes, tout en favorisant l'innovation. Inscrire, enfin, l'ensemble de ces activités dans une dynamique de développement durable. C'est ainsi que nous poursuivrons l'aventure de la France au large, et je sais que l'Orient y contribue, en première ligne, pour relever ce beau défi. Mes chers amis, si je ne suis pas physiquement présent, je le suis par la pensée, soyez-en certains. Heureux anniversaire à la Maison de la Mer. 30 ans, voilà un âge où la maturité et l'expérience vont de pair avec l'énergie de la jeunesse. Je vous souhaite à tous bon vent et bonne mer pour l'ensemble de vos projets. Voilà le message de notre ancien maire et collègue de Norbert. Donc on va démarrer tout de suite la rétrospective des 30 ans de la Maison de la Mer. Donc on va le faire à deux voix, entre Dominique Petit, la directrice de la Maison de la Mer, et moi-même. Le projet de la Maison de la Mer fut initialement inscrit dans le contrat de plan État-région 1984-1988. Créé officiellement le 22 juillet 1987 à Lorient et rendu public par l'insertion au journal officiel le 12 août 1987, l'Association pour le développement de la Maison de la Mer de Lorient est née de la volonté des élus locaux de traduire dans les faits l'importance des activités maritimes et portuaires de la ville. Son but est de promouvoir, par tous les moyens utiles, un développement de la culture scientifique et technique à caractère maritime au profit de la population lorientaise et de sa région. Son président en 1987 est Jean-Yves Le Drian, son directeur Guy Nanic, assisté d'un conservateur François Moussépina. Alors, c'est la photo de la Maison de la Mer. Donc, à la naissance de l'association en 1987, les activités prennent appui sur deux lieux physiques distincts. Le musée de la mer, situé au centre-ville, sur le quai de Rouen, abritant un lieu d'exposition divisé en deux espaces principaux, l'un réservé à la présentation d'expositions temporaires, l'autre occupé par une exposition permanente dédiée à l'activité des cinq ports. Il y a un blanc. Et le deuxième point d'appui est donc l'antenne pédagogique située dans l'école de Merville, dans les combles de l'école de Merville, et donc qui permettait d'accueillir les enseignants dans un centre de documentation qui avait été installé. Et ensuite, deux grandes salles avaient été aménagées pour accueillir le public scolarisé. En 1987, l'association publie « Histoire de l'Orient », sous la direction de Claude Nière, doctoresse lettres et sciences humaines à l'université de Rennes 2. Le dossier pédagogique « L'Orient, ville aux cinq ports », élaboré par Jean-Paul Lebacon, avec la collaboration du Centre régional de documentation pédagogique de Rennes, et présente sa première exposition temporaire au Musée de la mer, illustrée par les photographies de Michel Tersigel, qui s'appelait « Quai Roman, femme au travail ».
Les colloques électroniques et pêche maritime ont été organisés au Palais des Congrès ou à l'IUT de Lorient par les Maisons de la Mer et l'AFEIT, qui était l'association pour la filière électronique, l'informatique et la télématique en Bretagne. Avec le concours de l'IFREMER, du Centre de génie industriel de Guidel, il permettait de traiter des améliorations que le développement informatique apportait au fonctionnement de l'outil de pêche, au travail à bord, à la première mise en marché. Un exemple, à l'époque, tous les patrons pêcheurs avaient leur plan de pêche sur des équipements tels que Deka, Torrent, et le passage aux nouvelles technologies s'est fait, l'échange, lors de ce premier colloque entre l'IFREMER et les patrons pêcheurs. Ce que j'en vois là, donc. En 1989, la Maison de la Mer est reconnue centre de culture scientifique, technique et industrielle parce qu'elle répond aux critères de la charte nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. On est reconnu comme des structures favorisant dans leur territoire les échanges entre la communauté scientifique et le public et mettant en place des actions permettant d'améliorer la connaissance des sciences et de leurs enjeux par les citoyens, et ce, en engageant les démarches de partenariat. C'est alors que l'association devient non plus seulement la Maison de la Mer, mais le CCSTI Maison de la Mer, un sigle un peu barbare que tout le monde ne comprenait pas, et surtout que personne n'arrivait à traduire, mais qui a perduré jusqu'en 2014, quand même, CCSTI Maison de la Mer. Voilà. Et donc, depuis 1990, nous sommes membres de du Réseau national des professionnels des cultures scientifiques, techniques et industrielles, qui compte 250 adhérents. Donc, voici présentées trois productions qui préfigurent le centre des pêches maritimes qui devait être créé au port de pêche et qui n'a pas abouti. Donc, c'était une exposition sur la pêche au chalut, mais pêche traditionnelle par le côté, avant que n'arrivent les pêches arrières. Donc, c'est des photos qui avaient été réalisées par le journaliste Roger Cougot, journaliste de Ouest France, qui avait embarqué en 62 sur le Ravignan. Donc, on avait présenté une exposition à la Maison de la Mer. On avait édité donc un bulletin qui représente le numéro 0. Et on avait fait également une cassette vidéo qui s'intitulait « C'était il y a 25 ans à bord du Ravignan ». C'était déjà le démarrage de la Maison de la Mer comme principal, avec principalement comme thème la pêche maritime. Alors, vous voyez là deux représentations. Une photo qui est le croisement entre l'avenue de la Perrière et la rue Rio, et une esquisse qui avait été faite à l'époque par l'architecte de Lorient, Boutet. Ce centre des pêches maritimes devait être installé dans les bâtiments de la coopérative maritime située à l'angle de la rue Alphonse Rio de l'avenue de la Perrière. À la demande des élus, l'équipe de la Maison de la Mer, à laquelle s'était joint M. Claude Rouleau de l'agence Images et Mer, a rédigé l'avant-projet sommaire. Le document déclinait les objectifs et les moyens de ce centre multifonction constitué d'un espace professionnel, d'une vidéothèque internationale et d'un musée des pêches maritimes. Malheureusement, ce projet n'a pu aboutir. En 1990, le concept des classes d'études portuaires unique en France est reconnu par l'inspection académique du Morbihan. Alors, on dit plus comme ça, on dit la direction. Enfin, je me rappelle plus bien, je préfère dire l'inspection académique. Voilà, je me rappelle jamais. Ça change aussi. Et donc, les classes porteurs sont inscrites dans la catégorie classe culturelle. Et on est enregistré sous le numéro d'agrément 5652, donc depuis 1990. Quelques années plus tard, en 1995, la délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle nous autorise la mise à disposition d'un professeur conseiller relais. Et donc, nous avons eu
un professeur conseiller relais depuis cette période. Et c'est donc un professeur du second degré qui permet de valoriser les ressources pédagogiques de l'association auprès des enseignants pour développer leurs projets pédagogiques. Et en même temps, ce professeur relais apporte de l'aide pour adapter nos propositions pédagogiques de la Maison de la Mer au programme scolaire. Actuellement, la professeure conseiller relais est Catherine Barcan, ici présente. Alors, toutes les expositions. Donc, entre 1988 et 1994, l'association crée une à deux expositions par an. Elles sont présentées d'abord au Musée de la Mer, sur le quai de Rohan. Elles sont réalisées en étroite collaboration avec des professionnels et avec des scientifiques. Et surtout avec une équipe du groupe de recherche CNRS Anthropologie maritime, culture, technique et culture, dirigée par Aliette Jesdorfer, qui a été donc un membre très actif de notre association pendant plusieurs années, qui est décédée au début de l'année 2015, et à qui nous rendons hommage, parce que c'était vraiment une personne qui a permis le développement aussi de l'association. On a créé aussi des expositions avec la collaboration du service historique de la Défense. Donc, à l'époque, ils travaillaient René Estienne, Robert Le Gall et puis Gérard Le Boisdec. Et donc, par exemple, on a créé une exposition sur Dupuy de Lôme et l'Orient. Donc, c'était bien une focalisation sur la place de l'homme dans les activités maritimes ou le développement des communautés maritimes. Et puis, autre personne à citer qui n'est pas là, malheureusement, aujourd'hui, qui s'est excusé, c'est Patrick Jesdorfer, qui est océanographe et biologiste aussi au CNRS, et qui nous a permis de réaliser des expositions aussi, mais beaucoup plus axées sur la biologie des poissons, comme les poissons de grande profondeur, le grenadier, qui a commencé à être débarqué sous la criée au début des années 90. Alors, toujours entre 91 et 94, les pêches maritimes ont connu une crise sans pareil. Durant cette période agitée, la Maison de la Mer a toujours accompagné les acteurs de cette filière en étant un lieu de débat, un lieu d'expression pour celles et ceux qui ne s'expriment que très peu, les femmes de pêcheurs et les pêcheurs eux-mêmes, un lieu de diffusion pour que les enfants, les jeunes scolarisés, apprennent, comprennent et si possible s'attachent à une culture et à une vie maritime marginalisée parce que périphérique. Pour preuve, la création en 1994 de l'exposition « Femmes de pêcheurs, du mythe aux luttes sociales », en prise directe avec l'histoire immédiate des conflits qui ont secoué le secteur des pêches maritimes. Cette exposition a été créée à partir des travaux de recherche sur les statuts et fonctions des femmes de pêcheurs menée par le groupe de recherche anthropologie maritime du CNRS, dirigé toujours par Aliette Jesdorfer. Donc vous avez quelques coupures de presse de l'époque où on retrouve effectivement les élus dont Jean-Yves Le Drian a interpellé directement par les pêcheurs à Quiroman. Et c'est une période effectivement très, très vive que nous avons vécue. Graduellement, la Maison de la Mer s'est entourée de partenaires scientifiques, éducatifs, culturels et économiques locaux pour concevoir et mettre en œuvre diverses actions et outils de médiation pour sensibiliser le public aux activités scientifiques et techniques maritimes. Donc, vous avez là quelques exemples. Donc, les découvertes de la rade de l'Orient, les croisières commentées, qui donc se faisaient déjà à partir de 1991. La science en fête. À l'époque, ça s'appelait la science en fête. C'est devenu la fête de la science. Mais donc, la Maison de la Mer a participé à la première édition en 1992, puis 1993, puis 1994.
Nous avions participé aussi avec l'association Azimut à l'époque. Maintenant, c'est une entreprise, mais c'était à l'époque seulement une association. Et avec Hervé Laurent et avec la CELOR, le Vendée Globe. Et ça permettait aux scolaires de suivre l'avancée. Et ça, c'était le Vendée Globe qui a démarré de Lorient en 1992 et qui est arrivé en mars 1993. Voilà. Donc on faisait ça avec le Minitel à l'époque. Il y avait aussi déjà des opérations, comme vous pouvez le voir, les journées de l'environnement du 5 au 12 juin 1992. Et donc on y participait aussi. Et puis on organisait à l'époque au foyer du jeune travailleur à Lorient les soirées bleues. Et là vous avez un exemple, c'était sur l'anguille et son devenir. Et là aussi ça regroupait des scientifiques, mais aussi des professionnels qui venaient nous parler d'un sujet qui était choisi. Et puis, j'ai pas trouvé d'illustration, mais il y a aussi eu Brest 92. On a participé à Brest 92, à Brest 96. Et puis, à Lorient Savoir-Faire, c'était l'Odelor de l'époque. Ça s'appelait pas l'Odelor. L'ADE. Ça s'appelait l'ADE. L'ADE avait organisé une grosse manifestation qui s'appelait Lorient Savoir-Faire pour montrer les savoir-faire sur le plan économique. Et donc, on y avait participé aussi à cette opération. Alors, entre 1994 et 1999, c'est la période de préfiguration de la Thalassa à Lorient. Mais c'est aussi une période de transition pour la Maison de la Mer, puisque les locaux qui nous abritaient jusqu'alors, donc le musée de la mer sur le quai de Rohan, avaient besoin de travaux. Et les élus à l'époque ont choisi de ne pas mener les travaux parce que la Thalassa était sur le point d'arriver. Elle a été prête et ouverte au public en 1999, mais déjà on avait des problèmes en 1993 au sein du musée de la mer. D'où l'idée de présenter nos expositions temporaires à la gare d'échange. Alors pourquoi la gare d'échange? Parce que ça nous permettait d'aller vers le public. C'était un lieu qui était au sens nouveau à l'époque, puisque c'était la gare d'échange, c'est le quartier Océanis. Non, Orientis. Voilà, c'était l'Orientis. Et là, il y avait à peu près... c'était ouvert de 7h30 le matin à 8h le soir. Et il y avait à peu près 5 à 6 000 personnes par jour à passer dans ce lieu qui était la gare d'échange. Et puis peut-être qu'on avait aussi copié un peu sur Rennes, qui, à l'époque, faisait des expositions au Centre Columbia. Donc, voilà... Mais donc, on a, à ce moment-là, un peu... c'était une période quand même assez difficile, parce que toute l'équipe était donc dans les locaux Avenue de la Marne, et on se déplaçait pour aller animer les expositions à la gare d'échange, accueillir le public scolaire, accueillir le grand public pour des animations ponctuelles autour des expositions. Voilà, je crois que je vous ai... Tu passes à Nectar. Oui. Alors, autre chose importante, c'était le magazine scientifique multimédia et interactif baptisé Nectar. Alors, ça avait été conçu avec l'aide du Conseil régional de Bretagne. Les informations sur les sciences et les technologies étaient fournies chaque mois par le musée des télécoms de Pleumeur-Bodou, Océanopolis de Brest, l'espace des sciences de Rennes et la Maison de la Mer à Lorient. Et donc, c'était à l'époque, on n'appelait pas ça Internet, ni le web, ni la toile. On appelait ça les autoroutes de l'information. Et donc, la Maison de la Mer a produit deux dossiers dans ce magazine interactif. L'un sur le chalut et l'évolution du travail des scientifiques pour rendre le chalut de plus en plus sélectif. Et un autre sur la valorisation des coproduits de la mer. Donc on avait travaillé avec IDMER à l'époque.
Et puis, c'était aussi l'époque d'un travail commun entre l'espace des sciences de Rennes, Océanopolis et la Maison de la Mer pour produire des expositions communes. Et c'était le cas de Pêche en mer, qui était une grosse exposition qu'on avait aussi installée à la gare d'échange de Lorient. Et puis, Bord de mer, où là, il y avait un bassin tactile avec des vrais poissons, des vrais coquillages. Mais ça, c'était avec l'aide d'Océanopolis. On n'aurait jamais pu faire ça tout seul, évidemment. Depuis sa création, le CCSTI Maison de la Mer a sollicité le concours de l'IFREMER pour valoriser les activités halieutiques au sens large et réaliser des expositions, publications, organiser des conférences et des colloques. De 1993 à 1999, l'association et l'Institut IFREMER ont coopéré pour la transformation du navire océanographique Thalassa en un navire de découverte de l'océanologie, ouvert au public en 1999 à Lorient. Souhaitant renforcer et continuer à développer leur partenariat, les deux parties ont signé une première convention de partenariat en 2002, qui est renouvelée depuis tous les trois ans. Pour la Maison de la Mer, c'est l'accomplissement d'années d'efforts, récompensé par la transformation de ce navire en un espace de sciences et des technologies de la mer et de la pêche. C'est aussi le nouvel emblème pour l'association, puisque les classes d'études portuaires deviennent les classes Thalassa. C'est enfin un extraordinaire moyen de communication et d'identification pour l'ensemble de la communauté lorientaise. Le colloque sur les mutations techniques, organisé conjointement à l'inauguration de la Thalassa, fut une réelle réussite, sans aucun doute, due à la qualité des partenaires, CNRS, IFREMER, Université de Bretagne-Sud. Et aussi au besoin exprimé par tous de faire le point après des années de crise sur la situation du secteur des pêches maritimes. Donc vous allez voir des élus, dont Norbert, 30 ans plus tôt. Voilà. Et le PDG d'IFREMER qui... Oui, 20 ans, t'exagères. 20 ans. Et le PDG d'IFREMER donc, qui inaugure le colloque, qui a donné lieu à la publication « Mutations techniques des pêches maritimes, agir ou subir ». Et voilà, une des tables rondes, comme aujourd'hui. Avec, pour ceux qui les connaissent, Loïc Antoine, entre autres, et François Théret, ici présent. Oui, t'es plus jeune. Donc, de 2000 à 2010, donc la gestion de l'équipement Thalassa est confiée à la CELOR. Qui confie à la Maison de la Mer des actions culturelles telles que les classes Thalassa, les mardis de la Thalassa, la présentation et l'animation d'expositions temporaires dans le bâtiment qui sera construit seulement en 2002, dans le bâtiment qui jouxte la Thalassa et qui est construit sur le quai. Toujours à l'écoute des publics et pour répondre à la demande exprimée par plusieurs groupes de personnes, de proposer une offre similaire à nos classes d'études portuaires, l'association Maison de la Mer crée en 2006 les circuits portuaires destinés aux familles, aux individuels et aux groupes constitués. Un poste d'animateur est créé en 2006 pour développer cette activité et c'est un succès immédiat. Au début des années 2000, à la demande de l'Université Bretagne-Sud, soucieuse d'ouvrir l'université à la population, la Maison de la Mer co-organise des conférences mensuelles à l'Université Bretagne-Sud qui deviendront à partir de 2008 les mardis de la recherche proposées au public dans la Maison de la Recherche de l'université. En 2004, la Maison de la Mer co-organise également avec l'Université Bretagne-Sud et l'IFREMER un colloque sur la gestion intégrée de la zone côtière. De plus en plus de partenaires sollicitent la Maison de la Mer et donc la Maison de la Mer adhère en 2006 au projet de la Ligue de l'enseignement d'organiser des conférences et des ateliers à destination des détenus en milieu carcéral. Et donc on a développé ces activités-là. Pas seulement à nous les animateurs, mais aussi avec des chercheurs ou avec des professionnels qui acceptaient de venir
et d'intervenir en milieu carcéral. Et donc, on a fait ça pendant, pendant 6 ans, de 2006 à 2012. Et puis, en 2008, la Maison de la Mer répond aussi à l'idée de plusieurs de ses partenaires de créer à Lorient un festival international de films Pêcheurs du Monde. Alors, simultanément, la Maison de la Mer conçoit de nouveaux outils. Avec l'Ifremer, en 2000, est réalisé un livret intitulé « Gardons la pêche », qui est réalisé avec la collaboration des chercheurs de l'Ifremer et des pêcheurs du Guilvinec. Le but, c'est d'expliquer le travail des scientifiques dans le volet ressources de la gestion des pêches. En 2001, la Maison de la Mer crée un jeu interactif sur la gestion des ressources avec la collaboration de l'Ifremer. Parce qu'il en manque une. En 2002, la Maison de la Mer crée aussi plusieurs outils pédagogiques, dont les mâles sur la biologie du poisson, le poisson dans tous ses sens. Et en 2008, la mâle biodiversité et pêche maritime durable. Et puis, petit à petit, graduellement, les expositions créées jusqu'alors par la Maison de la Mer sont remplacées par des outils pédagogiques qui sont plus faciles à transporter, qui accompagnent nos médiations, qui peuvent être embarqués, j'allais dire, dans une voiture facilement par un enseignant, par un animateur d'une maison de quartier et qui puissent l'utiliser. Donc, mais en même temps, avec le développement des circuits portuaires, on crée aussi des expositions très légères sur la construction, la réparation et l'ingénierie navale. Et puis, un bulletin, comme vous le voyez, qui s'appelait, un catalogue qui s'appelait Art naval de la Rade et d'ailleurs. Et puis, en 2010, on crée une troisième malle pédagogique sur les énergies marines renouvelables. Et également une exposition assez importante sur la pêche et le poisson sauvage. Alors, de 2000 à 2010, je vous ai parlé tout à l'heure de la science en fête. Eh bien, à partir des années 2000, ça s'appelait déjà la fête de la science. Et donc, tous les ans, à partir de 2002, nous avons mis en place un village des sciences à Lorient. Il était installé de 2002 à 2006 à l'hôtel Gabriel, c'est-à-dire là, juste au-dessus, quand vous ressortez de la maison de l'agglo et que vous prenez votre voiture pour sortir. On était installé là, dans l'hôtel Gabriel. On a même mis un chapiteau une année ou deux. Et puis, on a migré de 2007 à 2009 à l'Université Bretagne Sud, qui nous accueillait et qui permettait aux partenaires d'installer leurs stands et leurs ateliers. Et puis, de 2010 à 2016, c'est à la base des sous-marins, donc à Lorient-la-Base, que le chapiteau était installé à côté de la Cité de la Voile. En 2013, le CCSTI Maison de la Mer devient centre associé de l'Espace des sciences de Rennes pour permettre une articulation plus efficace des spécificités respectives. En 2014, lors de son assemblée générale et en accord avec l'Espace des sciences de Rennes, l'association prend le nom de Espace des sciences Maison de la Mer de Lorient pour une meilleure lisibilité aux différentes échelles locales, régionales, nationales et internationales et confirmer son association à l'Espace des sciences de Rennes. Représenté ici aujourd'hui par un de ses administrateurs et puis le directeur et une de ses collaboratrices. Le 3 mars 2014, l'association quitte les locaux qu'elle occupait dans l'ancien bâtiment de la Thalassa, devenu la capitainerie de Lorient, centre et s'installe dans les locaux voisins de la station Ifremer, située 6 rue François Toulec, à Lorient-la-Base, appartenant à la région Bretagne et gérée par la SEM de Lorient-Quérum. En 2016 est constitué le pôle Bretagne Culture Scientifique qui réunit 6 opérateurs. Je vais essayer de ne pas en oublier. Le Planétarium de Bretagne, le Musée des Télécoms de Plumeur-Boudou, Océanopolis à Brest, l'Espace des Sciences de Rennes, les Petits Débrouillards et la Maison de la Mer.
L'appartenance à un pôle régional voulu par la région Bretagne renforce les liens et permet d'enrichir les expériences mutuelles. Il a pour but d'améliorer le maillage territorial et de favoriser les actions en direction des jeunes. Là aussi, c'est à moi. Donc, transition numérique, oui, c'est une période de transition. Donc, depuis 2010, les dossiers maritimes sont mis en ligne sur le site internet de l'association et ont remplacé nos bulletins, qui étaient des cahiers de 40 à 70 pages, qui étaient édités avec la collaboration de spécialistes et de professionnels de la mer. L'objectif est toujours le même, faire connaître et comprendre le monde maritime dans ses dimensions humaines, historiques, économiques, scientifiques, technologiques, sociales. La diffusion sur internet est évidemment illimitée. Et depuis 2011, les captations vidéo des Lundis de la mer ont permis une diffusion beaucoup plus importante via la chaîne YouTube, puisque le nombre d'auditeurs par rapport au nombre de participants à nos conférences est multiplié par 7. Et depuis 2012, l'Espace des sciences de Rennes et la Maison de la mer publient un dossier annuel d'actualité maritime dans le magazine régional Science Ouest, que vous connaissez peut-être. Et ce magazine est également mis en ligne sur nos sites internet respectifs. Et depuis 2 ans, maintenant, je crois, l'Espace des sciences dispose d'une application numérique qui est téléchargeable gratuitement sur smartphone et sur tablette pour pouvoir lire les nouvelles mensuelles du magazine Science Ouest. En 2013, les animateurs de l'association ont exploré la pertinence de l'usage de la tablette numérique dans les interventions scolaires. Des jeux pédagogiques ont donc été créés, comme vous pouvez voir, Océanimo notamment. Alors, ce type d'outil ne remplacera pas évidemment la visite d'un site, ni d'une entreprise ou la rencontre avec des professionnels, mais il est complémentaire et rend la découverte plus attractive. En 2016, avec la collaboration des étudiants de Télécom Bretagne, nous créons l'application Explorade pour tout public, téléchargeable gratuitement également, et l'application sur la gestion des pêches pour le public scolaire. Enfin, c'est une application sur le rendement maximal durable pour les spécialistes. Alors, transition écologique, oui. Cette transition écologique qui comprend un volet énergétique, notamment, concerne aussi les sciences, les innovations et donc les connaissances. Les questions maritimes et littorales constituent aujourd'hui un gage pour le développement durable des activités que sont la pêche, la construction et la réparation navale, les énergies renouvelables, le tourisme, les aménagements des littoraux. La Maison de la mer intègre ces sujets dans ses propositions pédagogiques en direction des scolaires, dans ses conférences débats mensuels et dans ses dossiers maritimes. En 2012, dans le cadre de l'élaboration du volet mer du SCOT du Pays de l'Orient, l'Odelor commandait une étude à la Maison de la mer dont l'objet était de décrypter et d'analyser les conférences-débats organisées par la Maison de la mer durant les 10 dernières années et dont les sujets étaient liés au territoire lorientais. Ce travail a permis à l'Odelor d'affiner le diagnostic sur la gestion intégrée de la zone côtière et d'activer la mise en place d'un réseau d'acteurs à l'échelle de la Rade de l'Orient. En 2014, dans la suite de la charte des espaces côtiers bretons, le Conseil régional de Bretagne a proposé au réseau breton de l'éducation à l'environnement et au rectorat de co-animer un groupe de travail éducation à la mer et au littoral, auquel ont participé de nombreux acteurs, dont la Maison de la mer. Depuis, des actions et des expérimentations ont été développées, dont le guide éduqué à la mer et au littoral du réseau breton d'éducation à l'environnement, qui a pour but de sensibiliser, d'éduquer et de former les différents publics aux problématiques littorales actuelles. Dans cette continuité, en 2017, la Maison de la mer a publié, avec l'aide de l'Odelor et le soutien du Conseil régional de Bretagne, un guide des pratiques environnementales, des activités économiques et des loisirs maritimes du Pays de l'Orient qui conclut sur le développement du Lorient Port Center, un moyen pour les habitants de s'approprier et de partager des enjeux, des multiples activités du territoire littoral du Pays de l'Orient. Et donc vous l'avez eu, si vous avez eu tous un sac, vous l'avez à disposition et vous pouvez le lire parce qu'il vient tout juste de sortir ce mois-ci de janvier.
enfin ce début d'année au mois de janvier. Donc depuis sa création en 87, la Maison de la Mer a toujours mené son action culturelle en lien avec le monde économique et la recherche. Ce choix participait dès le début au mouvement naissant du développement du tourisme industriel dans le Morbihan. Il y avait peu de choses encore à l'époque, ce n'était pas reconnu comme culture, comme élément de culture à part entière. Il n'y avait, pour ainsi dire, que le musée Glocris sur l'histoire des forges ennemies. Forte de son implication dans le tissu local lorientais et des cinq ports, la Maison de la Mer a créé elle-même, participé ou soutenu toutes les actions de diffusion des savoirs scientifiques et techniques de ses partenaires. Au fil de ses 30 ans de vie, la Maison de la Mer est devenue un acteur reconnu et incontournable du territoire. C'est pourquoi je rappellerai que nous comptons, alors on a préféré donner le nombre de partenaires plutôt que les citer, de peur d'en oublier un, de vexer quelqu'un. Donc nous comptons aujourd'hui 130 partenaires, conventionnés ou non. Nous avons des conventions signées, on l'a cité tout à l'heure avec l'IFREMER, et dont 50 associations et organisations interprofessionnelles, 35 entreprises, 14 établissements et services de l'éducation nationale, 10 universités, organismes de recherche et centres de formation, et 10 collectivités territoriales, dont cette commune. Et enfin, un ministère qui nous reste, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais tout incontournable que l'on puisse être, cela ne garantit pas pour autant un avenir assuré. Comme partout, la politique d'économie à tout craint, imposée ou assumée, fait que souvent les associations culturelles servent de variable d'ajustement budgétaire. Qu'en sera-t-il des possibilités financières de notre association? Quel développement pour demain? Quel partenariat et quel mécénat? Qu'en sera-t-il enfin du projet de pôle social maritime et du Port Center à Lorient? Trouverons-nous définitivement notre place à quai, comme on dit à Quiromont? Car du quai de Rohan à l'école de Merville, en passant par le bâtiment Thalassa et les locaux de la rue François-Toulec, la Maison de la Mer a souffert d'un manque d'ancrage physique sur le territoire. Si le bâtiment ne fait pas tout, il est évident que l'espace des sciences de Rennes, intégré au champ libre, Océanopolis à Brest ou le musée des télécoms à Pleumeur-Baudou, ont pu inscrire leur action scientifique et culturelle dans un lieu bien connu et reconnu. Avant de passer la parole donc à nos invités pour la table ronde, qu'il me soit permis de formuler le souhait que l'avenir de l'espace des sciences Maison de la Mer s'inscrive encore dans la durée, on a 30 ans mais on espère vivre encore, et dans un lieu bien identifié. À tous, merci. Donc, nous avons la chance d'avoir notre ami ici pour assurer donc l'animation de la table ronde. Et donc, Des questions là. Hein? Il faut demander s'il y a des questions. Oui, mais avant, puisqu'on attend encore une ou deux personnes, je voudrais passer la parole à la salle. Si vous avez des questions sur ces 30 ans, si vous avez des remarques à formuler, des souhaits, on est tout prêt à vous écouter et à répondre. Donc, vous pouvez utiliser les micros, évidemment. Oui, bonjour, bonne année à tous, Monsieur Collin du Bureau d'études d'entomologie. Je suis fier et heureux de participer effectivement depuis de nombreuses années à ce village des sciences qui aujourd'hui, malheureusement, a un peu périclité. Et j'aimerais bien que dans l'avenir, il revienne un petit peu en dynamique. En parallèle, moi, je crée aujourd'hui quelque chose de novateur avec l'UBS de Vannes, avec Mme Goubert notamment et M. Frédéric Baudel, une première en entomologie marine. On va commencer à créer effectivement dans les laisses de mer des études scientifiques et biologiques sur effectivement la faune et l'entomofaune des marais et des marins. Et donc des mers, qui est une totale première européenne, puisqu'on n'a pas d'école d'entomologie en France. Et donc aujourd'hui, avec Mme Goubert, on va démarrer cette perspective. Donc je suis vacataire maintenant, donc salarié de l'UBS de Vannes. Voilà, et donc je vous remercie à tous, et puis bonne année, et félicitations, et puis j'espère que M. Métairie va nous relancer un petit peu, entre guillemets, ce village des sciences, et nous trouver des locaux, ou un chapiteau, ou quelque chose qui nous redynamise la chose. Pour vous. Merci. Pour nous tous. Moi, je vais bien répondre.
Moi, je peux répondre. Je peux répondre. Donc, c'est un choix pertinent de ne plus faire de village parce que effectivement, il y a des problèmes de budget. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, hein, certains m'ont fait signe. Le pied à coulisses, bah oui, il se rétrécit et c'est vrai que les subventions publiques ne sont plus les mêmes. Et donc, sur le plan local, il y a l'Orient Agglomération qui finance la fête de la science et qui nous soutient. Et puis, il y a le ministère de la Recherche. Monter un chapiteau de 600 mètres carrés, ça coûte plus de 11 000 euros. Et nous n'avons pas ces aides-là au total. Donc, on ne peut plus payer de chapiteau. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller vers les publics de toutes les communes de l'agglomération, voire du pays. Donc, si on compte que l'agglomération, il y a 25 communes. Et si on compte le pays, il y a 30 communes. Et l'idée, c'est ça. Il y a certaines petites communes qui n'ont ni université, ni labo de recherche sur place, mais dans lesquelles on peut organiser, par exemple, des conférences avec des chercheurs qui viennent vers le public, qui vont dans la salle des fêtes et qui interviennent. Et il y a plein de volontaires comme ça. Ça peut être aussi des professionnels qui viennent expliquer comment ils élèvent des ormeaux, etc., etc. Enfin, on peut citer plein d'exemples comme ça. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc, après, je ne vais pas parler à la place de Norbert, évidemment. Mais voilà, nous, c'est aussi un choix qu'on fait dans les objectifs, c'est d'aller vers les publics. Parce que même si beaucoup de gens de l'agglo se déplaçaient au village des sciences, on ne touchait pas. On ne touchait pas tous les publics. Et puis, ça crée une nouvelle dynamique aussi. C'est celle de... Il y a énormément d'associations dans les autres communes qui, elles aussi, ont des choses à apporter à la fête de la science. Donc, c'est ça, notre idée. Voilà, je sais pas si... Bon, enfin, aujourd'hui, c'est les 30 ans de l'espace des sciences et Maison de la Mer. Donc, je pense que le sujet, c'est vraiment de saluer tout le travail qui a été engagé, qui a connu des périodes très, très différentes. Ben oui, c'est comme ça dans la vie d'une association, d'un organisme, et c'est à l'échelle du temps, 30 ans, c'est comme ça. Il y a des adaptations, des évolutions, des anticipations à effectuer. C'est vrai que la lucidité nous amène à considérer que dans une période où les fonds publics se font rares et qu'ils touchent aussi les collectivités, qui n'ont d'autre choix que de s'adapter et de jouer malin en quelque sorte, c'est-à-dire que il faut aussi trouver de nouveaux ressorts. La numérisation, par exemple, apporte beaucoup de choses aujourd'hui comme outil, donc il faut les utiliser. Il y a d'autres façons de faire pour toucher le public. Il y a des adaptations à trouver, de l'innovation à mettre en place. Quand on ne peut pas faire plus et toujours plus, il faut faire mieux et autrement. Ce que je tiens à souligner par rapport à la Maison de la Mer, c'est notre soutien. D'ailleurs, l'agglo et la ville de Lorient aussi, oui. Considérant que le jugement que l'on porte et qui préside à nos décisions collectives en tant qu'élus, dans nos responsabilités, c'est de mesurer quelle est l'efficacité, quel est l'objectif, l'organisation qui répond à des fins qui correspondent à nos valeurs et à la nécessité de promouvoir le territoire et je dirais son développement au travers notamment de la culture scientifique et technique. Chacun imagine ici que les collectivités aujourd'hui sont les variables d'ajustement de beaucoup de politiques. On nous demande à la fois de prendre de nouvelles compétences sans qu'il n'y ait aucun moyen qui les accompagne. Mais des compétences, ça veut dire des moyens à mettre en place, et que d'un autre côté, on nous restreint les crédits. Et donc, à partir de là, l'argent public se fait rare dès lors qu'on ne souhaite pas alourdir la pression fiscale. Voilà, c'est tout simple. À partir de là, évidemment, il y a des choix qui sont réalisés, et il y en a beaucoup qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui pourraient considérer qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés et aidés. Ça va de soi, c'est pas le cas. En ce qui nous concerne collectivement, compte tenu de ce que représente aujourd'hui, je dirais, l'économie maritime dans son ensemble et la nécessité de la promouvoir sous toutes les formes. Le président évoquait à l'instant Port Center. Ben, c'est nouveau dans notre paysage. Ben oui, ben on y va.
On y consacre des moyens, avec l'aide de la région d'ailleurs, pour faire en sorte qu'on ait, avec la Maison de la Mer, une capacité collective à pouvoir développer de nouveaux projets, développer de nouvelles approches et toujours sensibiliser nos concitoyens et travailler sur le fond avec tous les partenaires qui sont présents sur la place portuaire, qui sont présents sur le territoire autour de la culture maritime. Et ce travail se fait dans le cadre d'un jeu collectif. Parce que, évidemment, depuis longtemps, on a remarqué, même s'il y a des périodes, c'était un petit peu plus compliqué, qu'aujourd'hui, le jeu collectif et le fait qu'on arrive à fédérer les acteurs qui se parlent, qui se voient, qui échangent beaucoup dans leurs pratiques, qui avaient peut-être l'habitude de travailler en silo, c'est pas toujours gagné. Se constate aujourd'hui que finalement l'échange est certainement ce qui renforce tout le monde. Le travail que fait l'espace des sciences à Lorient y contribue largement. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'appuyer la démonstration de Norbert, bien évidemment. Mais je vous rappelle quand même qu'à la création de la Maison de la Mer, nous étions soutenus par le ministère, à l'époque on appelait de la science et de la recherche, par la DATAR, par le ministère de la Culture, par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et par le ministère de la Mer. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que le financement de la fête de la science par le ministère de la recherche. Donc effectivement, les fonds publics nationaux ont fondu comme neige au soleil. Et on se retrouve évidemment à taper toujours aux mêmes portes, c'est-à-dire les collectivités locales ou territoriales comme la région et le département. Alors, c'est ce qui explique aussi, nous, nos difficultés à se projeter dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait, quels moyens seront donnés. Mais on tient bon. On a tenu 30 ans, je vois mon collègue de Rennes, là, on a assisté aussi à des associations qui aujourd'hui n'ont pas tenu les 30 ans. Donc on est encore vivants, c'est déjà ça. C'est des poissons de grand fond. Michel ? Oui, je veux bien témoigner parce que c'est une belle histoire. Je suis Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des sciences de Rennes, puis l'animateur du pôle Bretagne Culture Scientifique. Et moi, je voulais témoigner aussi de cette belle relation commune que l'on a entre nous. À l'époque, nous, on s'appelait CCSTI à Rennes aussi. Et on est devenu Espace des sciences dans les années 90. Et je me rappelle bien être venu te voir, Guy. À l'époque, tu étais directeur du CCSTI. Et je me suis beaucoup inspiré de ce que tu as fait parce qu'on a démarré notre activité nous aussi dans un centre commercial, et puis on a cheminé l'un l'autre ensemble, et je me rappelle encore de ce premier rendez-vous où tu m'as vraiment très bien reçu. Moi, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses, et je me suis aussi bien inspiré de ce que vous faisiez vous aussi à l'époque à Lorient. Et je peux dire que tout ce chemin-là, après, on l'a partagé ensemble à travers tous les exemples que vous avez dit, Nectar, et des expositions communes, des activités communes, la revue maintenant Science Ouest. Moi, je suis vraiment très heureux d'être là. On parle un peu de séquence nostalgie, mais je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est important. La base associative sur laquelle la Maison de la Mer, Espace des sciences de Lorient est fondée, est essentielle. Et puis, c'est important aussi tous aujourd'hui que les uns les autres, on puisse dire ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et puis, qu'on travaille maintenant ensemble à l'échelle régionale, je pense que c'est une belle voie d'avenir pour susciter de l'intérêt, de l'enthousiasme pour les sciences, la culture maritime. Et puis, encore une fois, très heureux d'être là et ému aussi par rapport à ce premier rendez-vous que j'avais eu avec toi. Oui, je pense qu'il manque plus qu'Emilie en fait. On est dans les temps, donc c'est bien. C'est bon ? On est dans les temps. Y a-t-il d'autres questions ? Donc on va passer à la table ronde. Et je vais passer donc la parole à notre ami Christophe, que vous connaissez. On vous a mis le nom et les fonctions de chacun. Donc, celles et ceux qui lisent leur nom sur le tableau sont priés de venir. Viennent ici, s'il vous plaît. La place est chaude. On se met sur le côté. Oui, nous, on se met sur le côté. Il y a plus de peur que de mal.
Alors, j'étais très bien où j'étais installé. Là. Qui a voulu que je me mette là? J'ai des câbles partout, là, ça va me gêner. Ça. Voilà. Eh ben, dis donc. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, je tiens d'abord à remercier le président Guy Danik, la directrice de la Maison de la Mer, Dominique Petit, pour m'avoir convié à modérer cette table ronde. J'ai le plaisir, hein, donc pour ma part, de participer depuis maintenant 15 ans au conseil scientifique du CCSTI, de la Maison de la Mer. C'est un lieu évidemment d'échange, de débat, surtout c'est un lieu interdisciplinaire, et c'est ça que je suis venu chercher dans cette vie associative. J'en ai d'autres sur le territoire, vous le savez. Je dirais qu'il y a une vraie collégialité interdisciplinaire. Alors, je la vis dans ma vie professionnelle en tant que responsable d'un réseau de recherche national en histoire et sciences de la mer. Mon travail au quotidien, c'est de faire travailler... on a confié cette responsabilité, le CNRS a confié cette responsabilité aux historiens. On nous a dit qu'on était les gardiens ou les garants du temps long, et que les problématiques qui s'inscrivent dans le temps long, eh bien, elles ricochent bien souvent sur nos sociétés. Alors, en toute immodestie, en tant qu'historien, je partage évidemment cette lecture du CNRS. Les gens qui nous ont dit ça venaient d'ailleurs plutôt de l'Institut national des sciences de l'environnement. Donc le travail au quotidien, c'est de faire en sorte qu'en France, où nous sommes déjà 350 dans ce réseau, que je continue à développer, bien des biologistes, des géologues, des juristes, des économistes, des halieutes, quelques historiens, vous l'aurez compris, toutes les sciences finalement qui s'intéressent à l'objet maritime eh bien, puissent partager dans l'interdisciplinarité des problématiques, des questionnements et développer conjointement donc des outils méthodologiques. Alors c'est vrai qu'au sein du siège du CCSTI, on retrouve finalement cette dynamique. Il y a là des personnes qui ont été ingénieurs dans la construction navale, il y a là qui le sont encore, il y a des personnes qui travaille à l'Ifremer. Je vois plusieurs de mes collègues dans la salle qui sont halieutes, biologistes. Il y avait évidemment à nos côtés, Dominique Petit l'a indiqué tout à l'heure, il y avait une collègue et amie, Aliette Gessdorfer, grande ethnologue, spécialiste qui a développé l'ethnologie maritime au Muséum national d'histoire naturelle. Je pense aussi d'ailleurs à notre ami Dominique Paulet. Je n'ai pas besoin de le présenter, je pense, dans cette salle ici. Hein, grand architecte naval, bien ancré sur le pays de l'Orient, sur le territoire. Donc voilà, c'est quelques mots que je souhaitais dire. Alors il m'incombe la responsabilité de modérer cette table ronde. Tous les membres du CS, j'en vois quelques-uns dans la salle, auraient pu le faire. Et je me suis dit au fond que le président et la directrice qui s'est mise derrière, je me suis dit au fond qu'ils ont peut-être eu le même raisonnement que le CNRS. On va laisser aux historiens, garants du temps long, eh bien, essayer de vous faire travailler ensemble. Vous le savez, CCSTI, c'est un acronyme. Il se trouve qu'à titre personnel, je ne sais pas vous, mais moi je déteste les acronymes. Et pourtant, il y a évidemment beaucoup de contradictions chez tout être humain. C'est aussi ce qui structure nos personnalités. Moi, j'aime bien parler du CCSTI de Lorient. Voilà, j'y trouve là, Norbert l'évoquait tout à l'heure, j'ai une vraie affection lorsque je parle du CCSTI de Lorient. La littérature pourrait m'amener vers la Maison de la Mer, c'est très beau aussi, l'espace des sciences, c'est magnifique, ça dit bien ce que ça veut dire. Et pourtant, ne tuons pas l'acronyme CCSTI, culture, scientifique, technique, industrielle, parce que tout est là. Il y a là, comment dire, c'est ce qui va, je dirais, autour de cette table ronde, évidemment être le fil rouge de nos échanges, il y a là, évidemment... à travers la CCSTI, la culture scientifique, technique et industrielle, il y a une démarche qui consiste, vous le savez, à expliquer la démarche scientifique, à transmettre des connaissances issues de la recherche, mais aussi issues de l'innovation dans des entreprises, de le faire, vous le savez, auprès de publics qui sont très larges, très divers, et lorsque je vois cette assemblée, eh bien, je crois qu'à Lorient, c'est réussi, vu la diversité des actrices et des acteurs qui sont là maintenant. Et puis, il y a bien sûr, et c'est surtout, permettre aux citoyens de mieux appréhender leurs environnements. Alors c'est vrai qu'en tant qu'historien, il me plaît de rappeler que l'histoire finalement de la CCSTI, au fond, on pourrait considérer qu'elle s'inscrit dans un temps long. Un temps long qui a peut-être démarré à travers le développement des académies provinciales, 17e, 18e siècle, des académies nationales des sciences. Un temps long ensuite qui a amené au développement des musées d'histoire naturelle. En tout cas... tout ça, ça a été initié à l'époque moderne, vous le savez, 17e, 18e siècle, ça s'est largement épanoui au 19e. Et tout ça, vous le savez, a pleinement participé du développement de ce qu'on a appelé les Lumières. Il ne faut pas l'oublier parce qu'au cœur des Lumières, il y a déjà la CCSTI.
Alors parce qu'au sein de la société, au fond, l'acquisition d'un bagage scientifique minimum constitue un socle nécessaire, on le sait, à la démocratie, un vecteur de cohésion sociale. Parce que la profusion des informations et à l'heure des nouvelles technologies, de l'hyperconnexion, brouille l'image de la science dans la société, complique la distinction entre les faits avérés, ceux que nous étudions, nous les scientifiques, et puis les fausses informations. Moi, j'aime pas les fake news, on appelle ça des fausses informations. Parce que la science et les progrès technologiques, tout ça c'est lié bien évidemment, s'ils ne sont pas expliqués, peuvent être mal perçus par nos contemporains, voire d'ailleurs considérés comme des dangers. Parce qu'il est important de rendre compte aussi, et là je dirais que c'est le modeste fonctionnaire du ministère de la Recherche qui vous parle, et lorsque je parle de fonctionnaire, j'y mets évidemment beaucoup de fierté, et lorsque je parle de ministère de la Recherche, ce beau ministère pour lequel j'ai la chance de travailler depuis 25 ans, j'y mets évidemment tout autant de fierté. Eh bien, tout simplement parce que nous devons rendre compte à un moment donné du travail mené dans les laboratoires de recherche et nous devons permettre à chacun, au fond, de mieux connaître eh bien, les métiers scientifiques et techniques parce que nous avons besoin aussi de recruter. Donc, il m'a semblé finalement, lorsque nous avons échangé avec Dominique Petit et Guy Danick sur ce projet de table ronde, il m'a semblé au fond que... on pouvait vous rendre acteur, actrice aujourd'hui de notre réflexion, hein, elle ne s'est jamais arrêtée, de notre réflexion pour préparer eh bien, le positionnement de la Maison de la Mer dans la décennie à venir. Hein. Alors, Guy parlait de les 30 ans à venir, souhaitons-le, ce sera certainement plus nous, mais souhaitons-le, en tout cas si on travaille, continue à bien travailler dans les 10 ans qui viennent, eh bien, il y aura peut-être plus de chances qu'on fasse un cinquantenaire du CCSTI. En tout cas, pour structurer nos échanges, il nous a semblé important peut-être de revenir, et nous avons, comment dire, convié, et je tiens à les en remercier, hein, au nom du président et des membres du conseil scientifique, de convier différents collègues, différents partenaires habituels du CCSTI. Nous allons, au fond, structurer nos échanges autour de trois temps. Tout d'abord, revenons sur... on va faire un aperçu. C'est quoi la culture scientifique, technique et industrielle aujourd'hui? Nous avons pour cela une intervention vidéo, c'est ça, ça tient toujours, voilà, très bien, de M. Arnaud Desvillers, qui est délégué régional à la recherche et à la technologie en Bretagne. C'est un teasing de 7 minutes, il ne pouvait pas être parmi nous. On lui a demandé de faire un cadrage sur ce qu'était aujourd'hui eh bien, la culture scientifique, technique et industrielle. Ensuite, il y a une deuxième question que... je souhaite que nous puissions aborder, c'est au fond la place de la mer dans la culture scientifique, technique et industrielle, plus globalement. Je laisserai la parole à ma collègue Émilie Maria Roy, qui est anthropologue, qui donc va pouvoir nous parler au plan national, au fond, de cette perception de la place de la mer dans la CCSTI. Ensuite, Tristan Edouard, on lui a... on lui a demandé de nous parler au fond de la relation avec les acteurs économiques maritimes du territoire. C'est quoi la CCSTI en relation avec ces acteurs économiques et maritimes du territoire? Et puis Emmanuel Williamson, dans cette interface de la CCSTI avec la culture et l'éducation. Enfin, le troisième grand thème qui va finalement sous-tendre tous nos échanges, ce sont de façon très concrète des expériences de médiation que nous menons en Bretagne et à l'Orient. On cédera la parole à Michel Cabaret, hein, directeur de l'espace des sciences de Rennes, et qui a en charge, hein, donc il nous l'expliquait, l'animation du pôle Bretagne culture scientifique. Et puis on a demandé à Christian Carré, qui est membre du CCSTI, qui est également chercheur donc à l'Université de Bretagne Sud, qui est une collègue, et eh bien de membre actif, alors quand on écrit actif avec Christiane, c'est vraiment actif, et qui participe, actif, bien évidemment, je parlais de membre, voilà, non, mais l'homme de lettres essaie de ne pas faire trop de fautes, donc, en tout cas, personnalité active, on s'accordera de la Maison de la Mer, et qui, depuis des années, eh bien, fait un travail de fond, hein, en interface, on va dire, entre l'Université de Bretagne Sud, où on a un grand raout chaque année pour la fête de la science, et puis, eh bien, ce que nous conduisons au sein de la Maison de la Mer, au sein du CCSTI. Donc voilà pour tendre un petit peu la toile et la trame de nos échanges. Bien évidemment, on aura des temps d'intervention. À l'issue de chaque intervention, bien, on essaiera et on espère qu'il y aura une interaction avec vous. N'hésitez pas à poser des questions et vos questionnements nous guideront une fois encore à faire des propositions. Ça nous guidera dans cette logique à laquelle on souhaitait pleinement vous associer. Eh bien, quoi de mieux pour un anniversaire au fond, de vous permettre de préparer... le prochain, peut-être pas dans 10 ans, on se reverra avant. Voilà.
Alors je vais commencer, on va commencer par, si vous le voulez bien, par une intervention vidéo d'Arnaud Desvillers. Bon, c'est raté. Bon, ça commence mal. Où il est, Malo? Malo? Où il est, Malo? Viens m'aider, Malo, s'il te plaît. Alors le film, normalement, il est ouvert. Il est. Ça doit être ça. Non. Il est sur le bureau, ton film. Il est où? Oui, c'est ça. Voilà. Bien, ben bonjour à tous. Je commence déjà par m'excuser, j'aurais vraiment aimé être avec vous pour fêter ces 30 ans de la Maison de la Mer. Et malheureusement, je suis retenu par un événement à Rennes, ce qui m'oblige à tourner cette vidéo. Je remercie Michel et son équipe pour avoir permis de vous délivrer quelques messages concernant la culture scientifique, technique et industrielle. Alors la culture scientifique, technique et industrielle, c'est une mission très importante pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au point qu'il a construit une stratégie de la culture scientifique, technique et industrielle et qu'il y a adossé un Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, installé en 2012 et dont les missions ont été revues par un décret en 2014. Alors la culture scientifique, technique et industrielle, c'est une très grande pluralité d'opérations sur le territoire, dont principalement concernant le ministère, la fête de la science. Et c'est aussi une extraordinaire vitalité sur le territoire. La fréquentation de la fête de la science en Bretagne en est un parfait exemple. Alors en Bretagne, les acteurs de la CSTI sont fédérés par le pôle Bretagne Culture Scientifique, construit par la région et en partenariat avec l'État, qui est une initiative remarquable d'avoir un pôle régional de CSTI et qui est souvent cité comme un exemple. L'espace des sciences Maison de la Mer est un des membres du pôle Bretagne Culture Scientifique, à la fois pour le territoire l'Orienté, mais également pour le Morbihan. Alors, la culture scientifique, technique et industrielle répond à quatre enjeux sociétaux. Un enjeu culturel, qui est de conforter notre culture commune et de créer du lien. Un enjeu démocratique en éclairant le débat public et les choix politiques. C'est le deuxième enjeu de la culture scientifique. Il y a évidemment un enjeu éducatif pour former les jeunes citoyens. Et enfin, un enjeu social qui est de favoriser les facteurs d'inclusion dans la société. Alors, je peux vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, à l'heure où on parle de la nouvelle intelligence artificielle, je dis la nouvelle parce qu'il y a 25 ans, pendant mes études, l'intelligence artificielle faisait partie des modules obligatoires à suivre. Et on nous parlait d'une forme d'intelligence artificielle de type un peu humanoïde. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la façon dont on présente la nouvelle forme d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend une nouvelle forme en raison de la puissance des réseaux et des calculs à partir d'un Internet grandissant. C'est à la fois motivant et inquiétant, tant nous ne connaissons pas encore les limites de cette ultra-connectivité à l'information et à son interprétation. Pour appréhender et anticiper toutes ces questions d'usage, de réglementation, de sécurité, certains parlent de cybersécurité sur le site de Lorient, c'est un véritable enjeu, et surtout d'éthique, il convient de disposer d'un éclairage scientifique pertinent, pointu, et de cultiver l'esprit critique chez les citoyens, des plus jeunes aux plus âgés, en quête de connaissances. Que signifie d'ailleurs cette notion d'âge à l'heure où l'information circule à très grande vitesse et requiert un apprentissage tout au long de la vie? Voilà pour illustrer autour de la nouvelle intelligence artificielle, et vous l'aurez compris, tout l'intérêt de la CSTI. Elle est essentielle pour construire une société inclusive et en symbiose avec son histoire, qui est finalement de dire que l'histoire de la France est indissociable de l'histoire des sciences. Notre pays s'est toujours ressourcé grâce à sa recherche performante et talentueuse, et à l'aisance des chercheurs et médiateurs scientifiques d'en partager les résultats avec les citoyens. Donc en conclusion, il est logique que parmi les thématiques transversales de la CSTI, on retrouve l'égalité femmes-hommes, le changement climatique et le développement durable, la question de l'Europe,
et l'histoire des sciences et des techniques. La Bretagne est une terre de réseau, comme on a souvent l'habitude de le dire. C'est particulièrement vrai pour l'organisation des manifestations de culture scientifique, technique et industrielle. On le mesure tous les ans lors de l'organisation de la Fête de la Science. Et depuis la création du pôle Bretagne Culture Scientifique, on le mesure encore plus régulièrement à travers les réunions qu'on a avec tous les acteurs du pôle Bretagne Culture Scientifique coordonné par l'Espace des Sciences. À ce titre-là, je salue la démarche de la Maison de la Mer qui a été de se revendiquer très très tôt sous la bannière Espace des Sciences. Et ça, c'est très démonstratif de la capacité des acteurs à travailler ensemble et à faire résonner et à donner une dimension encore plus impactante de la mission de culture scientifique, technique et industrielle. Et ça nous permet, nous, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'appuyer, de construire nos actions avec des acteurs des territoires qui connaissent les besoins des territoires et qui savent trouver des médiateurs, des relais pour diffuser cette culture au plus près des divers publics auxquels ils s'adressent. Et c'est fondamental. En ce sens, on peut dire que la démarche de la Bretagne est parfaitement identifiée comme une démarche exemplaire pour le ministère. Et j'ai toujours plaisir à rappeler en réunion des D2RT combien nous avons su très très tôt nous organiser autour de cette mission très noble qui est la culture scientifique, technique et industrielle par le réseau Bretagne Culture Scientifique. La Maison de la Mer est un acteur majeur de culture scientifique, technique et industrielle en Bretagne. Je veux saluer ici l'engagement de son président, Guy Danic, et de sa directrice, chère Dominique Petit. J'ai toujours plaisir, tous les ans, à conventionner avec la Maison de la Mer pour l'organisation de la Fête de la Science. Et je sais que ça va forcément être une réussite. Ce sera encore le cas pour 2018, bien entendu. La Maison de la Mer, c'est aussi le centre de CSTI, visionnaire, qui s'est très vite revendiqué sous la bannière Espace des Sciences, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi la capacité d'interagir avec les chercheurs de l'Université de Bretagne Sud pour effectuer le travail de médiation sur la diffusion de leurs recherches, de leurs résultats de recherche en faveur du public l'orienté et plus largement du Morbihan. C'est aussi de très belles initiatives, comme par exemple le blog Métiers de la mer ou les fameuses conférences Les lundis de la mer. Bien entendu, quand j'évoque la Maison de la Mer, je pourrais me souvenir de ces fois où je suis venu inaugurer le village des sciences. Mais je me souviens particulièrement d'un événement. Le 8 avril 2014, lorsque à l'Université européenne de Bretagne, nous avons organisé, en partenariat avec la Maison de la Mer, ce fameux chercheur d'ailleurs, la rencontre. Ce soir-là, nous avons eu la chance de pouvoir réunir les trois chercheurs titulaires des chaires internationales de l'Université européenne de Bretagne pour organiser un exposé de leurs travaux, suivi d'un débat avec les citoyens présents dans la salle. Ce soir-là, nous avons eu la chance de pouvoir évoquer avec eux l'impact des activités humaines sur l'océan et la santé, et donc de disposer d'un éclairage au regard des activités de recherche qu'il conduisait. C'était un moment rare, c'était un moment important dans l'histoire de la Maison de la Mer, je pense, je l'espère, j'en suis d'ailleurs convaincu, et c'est un moment qui a marqué également l'histoire de l'Université européenne de Bretagne. Ce souvenir de cet événement à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans permet de souligner à quel point la Maison de la Mer remplit ses fonctions de culture scientifique, technique et industrielle, à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'Université de Bretagne Sud, mais à la fois avec d'autres universités, et à l'époque, c'était l'Université européenne de Bretagne. Face à tous les enjeux qui nous attendent sur les ressources marines, les nouvelles énergies, les bateaux à foil, ici, dans le territoire de l'Orient, je sais que la Maison de la Mer apportera un éclairage pertinent et rendra les nouvelles connaissances accessibles au plus grand nombre. Et je sais aussi que la Maison de la Mer va permettre de faire rêver des petits, des grands, et qu'elle va aussi permettre, à travers ce blog, les métiers de la mer, de promouvoir des nouveaux métiers autour des ressources marines, autour de la mer, dans le domaine du nautisme.
Cet anniversaire est aussi l'occasion de marquer la confiance envers ce centre de culture scientifique technique industrielle, tourné vers la mer, envers toute son équipe, et de lui demander de continuer à faire rêver les petits et les grands. Alors je souhaite un très bon anniversaire à la Maison de la Mer, et je vous dis à bientôt. Bien, donc nous avons quelques instants, si vous voulez, comment dire, que nous commencions à échanger. Alors il y a une vraie densité hein, dans ce qui nous est proposé par Arnaud de Villers. Il reprend au fond les fondamentaux hein, de la CCSTI, des enjeux culturels, bien évidemment, des enjeux démocratiques, des enjeux éducatifs, des enjeux sociaux, avec, je dirais, pour lier tout ça, évidemment, l'objectif hein, qui nous rassemble de construire une société inclusive. Et les grandes problématiques, au fond, qu'Arnaud de Villers a souhaité évoquer pour illustrer cela, il a parlé, au fond, des liens complexes à l'intelligence artificielle, mais également de questions qui sont au cœur de nos sociétés, les questions d'égalité, femmes, hommes, et plus généralement, d'ailleurs, les problématiques d'égalité, les changements climatiques, il a évoqué les questions de ressources, nous autres, sur les territoires littoraux, et c'est pas rien de le dire, je me tourne Olivier Lenezet et les acteurs du port de pêche, ces questions de ressources marines qui sont au cœur de vos métiers, de l'avenir de vos métiers. Donc tout ça, évidemment, ce sont des vrais enjeux pour la CCSTI et pour la Maison de la Mer. Voilà quelques pistes que j'ai retenues. Il y en a probablement d'autres. Voilà, je vous invite à échanger sur ça, aussi bien les participants ici à bâbord et à tribord, et puis évidemment la salle devant. Tout est dit. Bien. Bon, alors je vois que c'est vrai qu'il y avait une très grande densité. Hein, c'est son métier, notre ami le D2RT. Donc, si vous le voulez bien, on va donc essayer d'avoir un cadrage réellement sur la place de la mer dans la culture scientifique et industrielle. J'ai souhaité que notre collègue Émilie Maria Roy, puisse, qui est anthropologue, puisse eh bien, s'exprimer sur ça. Émilie, donc. On te laisse un temps pour nous présenter. Le sujet est vaste, hein, on pourrait en faire un colloque. Un temps raisonnable d'une dizaine de minutes, ça va ? Voilà. Ça ira ? Allez. Bonjour à tous. Alors d'abord, je tiens à remercier beaucoup Guy Danic et Dominique Petit de m'avoir convié à cette table ronde. J'en suis très honorée, d'autant plus que j'ai fait une entrée plutôt tardive dans le conseil scientifique de la Maison de la Mer. C'était en 2012. Donc, vous voyez que ça arrive tard dans l'histoire de la Maison de la Mer. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais présenter mon intervention en deux temps. Hein. Je vais rappeler un petit peu les fondamentaux, en fait, de ce qu'est un CCSTI. Et puis, dans un deuxième temps, j'insisterai sur les particularités et sur l'originalité de la Maison de la Mer aujourd'hui et à ses origines. Donc, comme vous le savez, comme on vous l'a sans doute déjà rappelé tout à l'heure, hein, le CCSTI, c'est une structure qui a pour mission de favoriser des échanges entre la communauté scientifique et le public. Et c'est une mission qui va s'inscrire largement dans une démarche de partage des savoirs, dans une démarche de citoyenneté active. Donc, à ce titre, hein, le CCSTI, c'est une structure qui s'attache tout particulièrement à la mise en évidence des implications et des conséquences de cette évolution sur l'environnement du citoyen. Alors, la particularité aussi des CCSTI, de manière générale, c'est de poursuivre une approche pluridisciplinaire et transversale de la notion de science et technique, qui engage des démarches de partenariat donc, et de mise en œuvre permettant d'impliquer une multitude de publics diversifiés dans leurs origines et leur implantation géographique. Alors, les missions des CCSTI, c'est de d'abord, et là, la Maison de la Mer en est un exemple tout à fait manifeste, c'est de permettre des rencontres et dialogues, je dis bien dialogues, des partenaires scientifiques, industriels, associatifs, culturels avec le public. C'est aussi de développer une circulation et des échanges d'informations, de l'information scientifique, de susciter et de coordonner aussi des actions de diffusion des connaissances scientifiques et de les valoriser, de sensibiliser aussi et de former des acteurs locaux à la diffusion des connaissances scientifiques, de contribuer au développement de dynamiques locales à travers la mise en œuvre de nouveaux lieux et outils, je dis bien outils aussi de médiation.
de développer donc des actions en faveur d'une meilleure diffusion de la connaissance scientifique et technique sur le territoire, notamment auprès aussi de zones spécifiques que constitue par exemple le milieu rural. Et là, à ce titre, on a dans l'exemple des rendez-vous des lundis de la mer, eh bien, cette interface terre-mer avec des lundis de la mer qui se déroulent plus, on va dire, à l'intérieur des terres. Et enfin, c'est de participer au développement d'une dynamique européenne et internationale. Ça concerne ça aussi, hein, la place du CCSTI aujourd'hui avec le projet de Port Center, par exemple. Alors, les fonctions de CCSTI, c'est d'être un centre de ressources et de diffusion de la connaissance. C'est d'être un lieu de rencontre entre différents publics qui sont issus du monde de la recherche, du monde de l'industrie, des techniques et de l'innovation, avec ce grand public, aussi large que public que possible, pardon, mais aussi avec certains publics plus spécifiques que sont les scolaires et les jeunes publics. Le CCSTI, il produit et met à disposition des acteurs un ensemble d'informations susceptibles de contribuer à une meilleure approche de la diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Et pour atteindre cet objectif, il s'appuie sur des ressources scientifiques régionales et sur des grands organismes aussi de recherche nationaux avec lesquels il s'attache à développer des partenariats. Ici, on a l'exemple de partenariats très rapprochés avec l'IFREMER, notamment avec l'Université de Bretagne-Sud en particulier. Il peut accompagner donc la réalisation de projets à l'initiative de partenaires locaux et régionaux auxquels il apporte aussi des compétences. Et cette fonction, elle implique la recherche de complémentarité régionale qui mobilise différents acteurs de la culture scientifique. Il réunit donc des universitaires, des gens du monde de l'entreprise et des gens donc du monde de l'éducation, des associations. Maintenant, je vais en venir à la Maison de la Mer, qui ne s'appelle plus CCSTI, mais qui en est un à l'origine, hein, et qui assure ses fonctions et ses missions vraiment dans l'esprit de la création des CCSTI, avec une vocation particulière et originale de par son implantation et de par les liens qu'elle a noués avec des partenaires les plus divers. Une vocation maritime donc qui, dès sa création, était à l'avant-garde hein, de la transversalité et de la pluridisciplinarité que l'on invoque aujourd'hui, pluridisciplinarité de ces objets que sont la mer et la marine, disons par nature, hein, je pense à la marine de pêche, marine scientifique, marine commerciale, militaire, sans oublier bien sûr la plaisance, la construction navale, la navigation, de loisirs, navigation d'ailleurs à tous les niveaux, hein, du plus, disons, sophistiqué au petit baigneur. Donc, dès sa création, la Maison de la Mer a assuré, donc en 1987, hein, cette création, c'était à l'initiative donc, de la ville de Lorient. Cette Maison de la Mer, ce CSTI, il a pour mission de diffuser la culture scientifique et technique maritime au grand public, dans toute la diversité justement que ce libellé recouvre. Dès sa création, la Maison de la Mer, elle a assuré la plupart des missions et fonctions d'un CSTI, donc dans l'esprit et par le développement donc, de projets transverses à l'adresse de plusieurs publics, avec des scientifiques qui, de manière formelle, et puis par la suite au sein d'un conseil scientifique pluridisciplinaire dont la structure s'est dotée au début des années 2000. Donc le CCSTI il a ainsi engagé une dynamique dans de multiples projets dédiés à la connaissance donc, du monde maritime, avec des expositions, des conférences. On a encore aujourd'hui les lundis de la mer, hein, très régulièrement, des colloques, des bulletins aussi, il y avait toute une activité éditoriale, des ouvrages, dont j'ai apporté d'ailleurs deux exemples ici aujourd'hui, des initiatives donc très diversifiées auprès des publics scolaires, des initiatives d'ailleurs diversifiées et en constante évolution. Avec notamment, je voudrais citer, les classes d'études portuaires, et puis le développement d'outils pédagogiques qui sont en constante évolution, je vous disais, en constant perfectionnement. Alors je citerai juste l'outil Explorade, hein, qui est un outil innovant par excellence, qui s'inscrit justement dans cette démarche de valorisation du territoire.
C'est donc une table, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est une table d'orientation numérique pour smartphones et tablettes qui permet de découvrir les activités maritimes de l'Orient pour bien faire connaître les sites maritimes industriels sur la rade, les ports, les chantiers navals, les entreprises, les musées et sites culturels, les liaisons maritimes, ce encore une fois pour faire connaître des savoir-faire et des compétences. La Maison de la Mer, vous le savez, elle est aussi, elle coordonne la fête de la science. Et puis, de plus fraîche date, elle est devenue partenaire d'autres manifestations culturelles en étant présente cette année pour la première fois au Festival interceltique de 2017, donc avec cette interceltique du poisson, où se sont rencontrés monde de l'entreprise, monde de la recherche et grand public. Ce, toujours, encore une fois, pour faire mieux connaître et reconnaître un territoire, les acteurs, les structures et les problématiques, beaucoup plus largement, d'un monde marin aux prises avec de multiples changements socio-économiques, techniques, environnementaux, scientifiques et politiques. Alors, assez rapidement, je vais revenir sur l'activité de création et de diffusion d'outils de compréhension du monde maritime, qui était l'une des principales vocations de la Maison de la Mer, pour souligner bien cette variété des médias et des supports de diffusion de la connaissance scientifique, technique et industrielle mobilisés depuis la création de cette structure. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la Maison de la Mer a édité depuis longtemps des ouvrages qui étaient conçus avec des spécialistes et des professionnels de la mer, des livrets documentaires qui avaient pour but de valoriser et de diffuser les études, les recherches et réflexions menées sur des thématiques maritimes dans le domaine des pêches tout notamment. Ce furent d'abord des bulletins et puis ce sont aujourd'hui des dossiers maritimes, documents qui ont pour fonction de faire connaître le milieu maritime. Et ces documents donc, ont été rédigés avec l'appui de professionnels, d'universitaires et de chercheurs. Ces dossiers paraissent, vous le savez, on le voit sur le site, ils paraissent maintenant plusieurs fois dans l'année. Dans les bulletins, vous avez pour quelques titres des bulletins qui s'appelaient « La Thalassa, 36 années au service de la recherche marine », un bulletin dédié aux femmes de pêcheurs, « Du mythe aux luttes sociales », un autre dossier « Vie et poissons dans les grandes profondeurs », un dossier, un bulletin plutôt électronique et pêche maritime. Enfin, voilà autant de titres. Ce sont donc des dossiers, des bulletins, mais aussi des outils de travail, comme celui de lecture de la rade de l'Orient, qui permet d'aborder une multitude de thématiques qui favorisent la compréhension de l'environnement proche, qu'il soit naturel, historique, économique ou social. Je vous ai parlé de ces deux livres que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez, que s'appelle Imagimer, qui est un ouvrage qui présente des données comparatives originales sur les processus de création des figures fabuleuses ou monstres marins. Vous voyez que la Maison de la Mer a su faire preuve aussi de fantaisie et d'originalité dans ses choix thématiques. Monstres marins à l'intérieur donc, de systèmes religieux dominants ou de croyances populaires à travers le monde. Il y a aussi l'ouvrage « La mer dévorée », le poisson bon à manger et bon à penser. Je citerai en dernier un autre support, qui était le logiciel créé par les partenaires scientifiques des laboratoires halieutiques de l'IFREMER et de l'IRD, dont l'objectif était de répondre à la fois aux préoccupations du public en matière d'environnement et aux inquiétudes des professionnels de la pêche face à la diminution des ressources marines. Et là, donc, on voit bien qu'il y a une diversité de supports et de médias qui servent à atteindre différents publics en lien avec des thématiques diverses, mais des publics au sens vraiment le plus large et parfois le plus lointain, puisque je pense que ce sont des publics et que la compétence et l'offre de la Maison de la Mer à l'heure actuelle en termes de ressources, elle rayonne bien au-delà du Morbihan. Je vais terminer mon intervention. Est-ce que j'ai encore un petit peu de 5 minutes ? Ça ira. Bon, alors pour terminer, justement, je parlais sur le thème cher à tous et compliqué, complexe plutôt, de la préservation des ressources. Eh bien, je dirais que la Maison de la Mer, elle joue et elle doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans la diffusion auprès d'un public le plus large possible, d'une connaissance sans simplification outrancière ni catastrophisme bon ton de l'activité de pêche en lien bien sûr avec l'exploitation des ressources halieutiques, mais aussi avec leur transformation, leur commercialisation, leur valorisation
et consommation, et puis aussi sur ceux et celles qui sont et qui font ce monde maritime dans toute sa diversité, ici et ailleurs. Le sujet, au vu de tous les changements techniques, socio-économiques et environnementaux qui affectent à petite et grande échelle ce système, il est inépuisable. Entre mythes, fantasmes et réalités sur ce monde méconnu en même temps et pourtant médiatisé, eh bien, la Maison de la Mer a encore fort à faire. Deuxièmement, je dirais, avant de finir, que la Maison de la Mer, par son ancienneté, par son expertise en tant qu'ancien CCSTI et observateur de premier plan du monde maritime, elle a aujourd'hui une dimension, ou je dirais un caractère patrimonial, au plan d'une histoire institutionnelle d'abord de la diffusion de la culture scientifique et technique, et puis aussi d'une histoire plutôt sociale, ou on dirait sociétale aujourd'hui, des relations entre science et société, car les objets sur lesquels son attention s'est portée, ils n'ont cessé d'évoluer, de se renouveler, non moins que les outils de valorisation de la connaissance sur le monde maritime, proche et lointain. Donc, la Maison de la Mer, son président Guy Nanik, sa directrice Dominique, ses équipes, son conseil scientifique, ses partenaires, suivent et scrutent le rythme maritime pour poursuivre leur mission depuis maintenant 30 ans. Cela n'a pas été sans heurts ni difficultés, ni déconvenues non plus. Et puis la Maison de la Mer a perdu en 2015 et 2017 deux de ses plus proches et anciens collaborateurs que vous connaissez sans doute, Aliette Geisdorfer, qui est disparue donc en 2015, et puis Dominique Paulet, disparu cet été. Ils nous manquent et nous ne les oublions pas aujourd'hui. Nous nous réjouissons aujourd'hui de célébrer ce 30e anniversaire. La Maison de la Mer, elle est restée fidèle à sa vocation première pour devenir au fil des années ce que l'on pourrait qualifier de, d'ailleurs Arnaud de Villèze le disait dans d'autres termes, de référent national en matière de diffusion des connaissances sur le monde maritime. Je vous remercie pour votre attention. Merci Émilie. Donc tu nous as rappelé les fondamentaux au fond de la CCSTI, de la culture scientifique, technique et industrielle, des approches interdisciplinaires bien évidemment, des approches transversales, on l'a évoqué, évidemment la nécessité de développer des outils de médiation, il y a toute une ingénierie autour de ça et de façon très précise et très concrète tu as rappelé ce que depuis 30 ans nos équipes, ils sont dans la salle, ils sont un peu autour de nous, toutes les médiatrices, les médiateurs de la Maison de la Mer font au quotidien pour développer des outils et se mettre en situation de médiation. Tout ça, évidemment, participe des dynamiques locales, dynamiques nationales. Tu évoquais également des dynamiques européennes, bien entendu. Et enfin, les partenariats. Alors, c'est au cœur de tout. C'est au cœur de tout dans la recherche, c'est au cœur de tout dans la science, c'est au cœur de tout dans la société. Et tu évoquais ceux qui sont féconds avec l'Université de Bretagne Sud, on peut l'attester. Ceux qui sont féconds avec les entreprises du territoire, avec les acteurs des milieux économiques, les acteurs de l'éducation. Voilà donc quelques pistes sur lesquelles on peut pouvait venir interroger, Émilie ou d'autres pistes, bien entendu. Quelques instants d'échange. Alors là, c'était pas du virtuel, c'était pas à la télé, donc elle est là, profitez-en. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Oui, c'est ça. On n'est pas aidé par les membres du CS, je vais les dénoncer parce que je vois notre ami Gérard Bavouzet qui est au fond, mon collègue du CS, du CCSTI. Gérard, tu as peut-être quelques questions pour amorcer la pompe de la discussion. Tu réfléchis ? Ouais. Bien, donc manifestement le format table ronde est un format magistral, donc nous allons poursuivre. Donc, alors, on a souhaité que Tristan Douard, qui est adjoint au maire de la ville de Lorient, vous le savez, pour le développement économique, vice-président de Lorient Agglomération, chargé de l'économie et qui est membre donc de droit suppléant du conseil d'administration de la Maison de la Mer, on a souhaité, Tristan, que tu puisses nous délivrer quelques mots sur les relations, au fond, entre le lien entre la Maison de la Mer, la CCSTI en général, la culture scientifique, technique et industrielle, et puis, les acteurs maritimes du territoire. Merci.
Bonjour à tous, toutes et tous. Je suis d'abord très impressionné par l'assistance d'aujourd'hui qui est extrêmement diversifiée. J'ai le bonheur de revoir des personnes que j'ai été amené à côtoyer. Et je vous garantis que si tout le monde ne se connaît pas, si on faisait le tour des profils, des parcours, on serait tous assez impressionnés. En tout cas, c'est mon cas. Voilà, je tiens à saluer toutes et tous, remercier le président et toute l'équipe du CCSTI pour leur invitation. Bon, c'est un scoop pour personne. La mer est évidemment le lieu de tous les défis, de toutes les aventures, de tous les grands enjeux du monde au XXIe siècle, que ce soit bien évidemment, comme on le sait, pour le transport, pour les ressources, pour l'énergie, pour l'alimentation, pour les enjeux stratégiques, la défense, mais également le lieu des rêves, on l'évoquait tout à l'heure à l'instant sur toute la mythique et la mystique qu'il peut y avoir autour de cet élément tout à fait singulier qui reste encore pour partie méconnu. La mer à Lorient, c'est un fait qui est singulier. Bon, il y a d'autres villes portuaires, bien sûr, mais nous avons un lien avec la mer qui est évidemment historique. Cette ville et ce territoire est né de la mer, la ville de Lorient en particulier. C'est une dimension bien évidemment culturelle, économique, 14 000 emplois sur le territoire qui sont liés aux activités maritimes de près ou de loin. Et puis évidemment, la mer, ce sont des technologies, des techniques très pointues, à la fois premières et pointues. Et Lorient regroupe une variété qui est unique à mon sens. Alors, à mon sens, en Europe et peut-être dans le monde, et je crois que ce n'est pas être prétentieux pour notre territoire, c'est que nous concentrons localement des praticiens, des secteurs d'activité menés à des niveaux d'excellence et d'une diversité qui est unique. Bon, il y a d'autres très grands ports de pêche. On n'est pas un très grand port de pêche, mais on est quand même le premier en France. On a d'autres chantiers navals. Dans le monde, il y a des chantiers plus gros qu'à Lorient, mais on a ceux qui font les frégates multimissions, qui sont des bijoux. On a également d'autres chantiers navals d'excellence, que ce soit dans le domaine de la défense, de la pêche, des bateaux de servitude ou encore, bien sûr, des bateaux de compétition. Les plus beaux bateaux, les bateaux les plus rapides du monde sont construits ici. Il y a d'autres ports de commerce avec des quais linéaires, des linéaires plus grands, mais on a un port de commerce qui est dragué, Panamax, qui attire des bateaux à fort tirando et qui font venir des marchandises de un peu partout dans le monde. On a d'autres endroits dans le monde où se situent des forces militaires, mais nous avons les trois quarts des forces spéciales de l'armée française à Lorient, etc. etc. Je ne vais pas aller trop loin, mais tout ça pour dire que cette coexistence, parfois méconnue d'ailleurs des uns et des autres, d'acteurs d'excellence. J'ai oublié la science, bien sûr, avec un pôle de recherche de très haut niveau, notamment dans le domaine de l'halieutique et de la technologie des pêches. Enfin voilà, donc on en oublie forcément, tellement il y en a. Et ce niveau d'excellence, en fait, et cette réunion sur un territoire assez ramassé, me semble être quelque chose d'assez unique. Alors mon intervention, elle se fait un petit peu à deux chapeaux. Un chapeau d'élu, mais je dirais, je ne vais pas pouvoir me défaire de mes origines, puisque je suis impliqué professionnellement dans les pêches maritimes depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc c'est aussi mon quotidien et ma passion. Peut-être trois exemples d'enjeux de la médiation scientifique et technique sur la mer, au niveau économique, entre guillemets, tout étant lié à tout, évidemment. Enfin, c'est compliqué, et puis beaucoup de choses ont été dites, je vais tenter de ne pas être redondant. Un enjeu fort sur l'objectivation des réalités et des métiers. Rendre concret, objectif, ce qui parfois est de l'ordre du mythe. C'est un enjeu évidemment important pour la connaissance de nos concitoyens, un enjeu d'éducation. Voilà, on évoquait tout à l'heure tout l'enjeu majeur de cultiver son esprit critique. Accéder facilement à des réalités qui peuvent être complexes avec des outils adaptés, eh bien, pour les professionnels concernés, c'est une façon de dire ce qu'ils sont, de dire ce qu'ils font, tel qu'ils ont du mal à le dire autrement. S'il n'y a pas de passeur, c'est compliqué. Expliquer à tout un chacun comment sont gérées les pêches maritimes, c'est une gageure qui nécessite un investissement important et un savoir-faire particulier. Et du coup, pour les professionnels eux-mêmes, et c'est le cas des pêches maritimes, mais je pense d'autres secteurs d'activité, eh bien, c'est une façon d'éviter les idées reçues, y compris celles qui sont utilisées à des fins, j'allais dire politiques, y compris à des fins de contestation d'un certain nombre d'activités.
Alors évidemment, l'un des grands enjeux des pêches maritimes, pour ne citer que ce secteur-là, bien sûr, c'est sa gestion durable. Pour autant, c'est un secteur qui, comme d'autres, est soumis à des polémiques, à des histoires qui sont racontées. Et la médiation scientifique est un outil puissant pour rétablir un certain nombre de vérités, ne serait-ce que localement auprès de nos concitoyens. Un enjeu également pour attirer des talents, pourquoi pas. Les mondes mystérieux du maritime ne méritent que d'être révélés. On sait que ça fait partie des grands gisements d'emploi. On sait que le secteur des pêches emploie, mais on a aussi dans le secteur de la construction réparation navale un potentiel d'emploi important. On a une conquête à accomplir, et en particulier en France, avec un secteur maritime, ça ne vous échappe pas, qui est le deuxième du monde en surface, donc avec tout ce qui peut en découler comme intérêts économiques, sociaux, de façon générale. Et une autre utilité en termes de matière d'objectivation, c'est aussi de rapprocher les cultures autour de la mer, c'est-à-dire que quand il est parfois compliqué pour des scientifiques et des professionnels d'échanger, la médiation est un outil important et stratégique pour que les professionnels découvrent ce qu'est le métier du scientifique et que finalement, autour d'un objet qui peut être unique, on accède à la fois à de la donnée technique et de la donnée scientifique. Et tout cela contribue aussi à pacifier les relations entre des mondes qui parfois s'ignorent. Le monde de l'université est quand même parfois à l'université, souvent, et pas toujours sur les quais, pas toujours sur le pont des bateaux. Et du coup, c'est une façon de relier ces mondes-là. Et je crois que c'est une mission importante. Deuxième exemple d'enjeu sur la médiation, c'est un enjeu d'attractivité du territoire. L'attractivité, je veux dire, endogène auprès de nos concitoyens, qui a trait à la fierté d'appartenance de notre territoire, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le caractère unique de notre territoire en matière de diversité d'acteurs d'excellence sur le secteur maritime. Cette caractéristique-là ne mérite que d'être connu et reconnu par les habitants du pays de l'Orient en particulier. Je crois que c'est une vraie fierté. Il y a beaucoup de métiers, je crois que ça se compte par centaines quasiment. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être connu. Ça mérite d'être connu également par le monde économique. On a été amené, grâce au CCSTI, à pouvoir mener par exemple une visite du port de pêche à la demande d'un groupement d'entrepreneurs qui avait une curiosité à l'égard de la criée. On a souvent l'image ou l'imagerie qu'il ne se passe rien au port de pêche, puisque quand on y arrive à 10h, il n'y a plus de bateaux dans le port, et puis le port de commerce, on ne sait pas trop, c'est un monde bizarre. Et finalement, il y a une curiosité qui a pu être récompensée, ou qui a pu trouver des réponses grâce au CCSTI. Vous voyez, moi aussi, je suis là-dedans. Je ne suis pas dans la maison de la mer. Mais qui a trouvé, du coup, un moyen utile de se renseigner et d'aller au plus près de sa curiosité. Voilà. Et puis pour les élus, c'est également important, puisque localement comme au niveau national, la conscience maritime de la France en général est somme toute assez faible. On a une culture maritime qui me semble plus proche de celle du Rhin que celle de l'Atlantique. C'est l'histoire qui veut ça, je crois. Donc c'est aussi un outil important. Attractivité donc endogène au niveau de notre territoire et puis au niveau de l'extérieur également. Nous menons actuellement des travaux importants, en tout cas sur lesquels nous nourrissons beaucoup d'espoir sur notre marketing territorial. C'est un terme qui n'est pas très joli, mais notre objectif, c'est de valoriser nos excellences maritimes par ce biais-là, de travailler notre notoriété de territoire et finalement avoir sur notre territoire un point d'entrée pour découvrir ce que sont les activités maritimes. C'est positif pour le tourisme, c'est positif pour l'image du territoire, ça donne une image dynamique, sérieuse, raisonnée, raisonnable, et puis faite d'humanité qui sont riches. Donc voilà, c'est un outil de singularisation de notre territoire et on en a besoin, on a besoin de le faire savoir. Ces outils de médiation sont un outil. Et troisième exemple, c'est un petit peu générique, pardon, mais c'est aussi révéler de façon générale le fait maritime, ses enjeux. Les acteurs économiques ont besoin de cela pour justifier de l'intérêt qui est porté. Alors,
intérêt suffisant, insuffisant, selon les cas, ça dépend, mais qui sont l'intérêt porté par la puissance publique en général, que ce soit au niveau international, européen, national ou territorial, pour les choses de la mer, les métiers de la mer. Et donc c'est important que voilà, la mer soit l'objet de connaissances, de révélations, parce que ça justifie aussi l'action publique. Troisième point que je voulais évoquer rapidement avec vous, c'est quelques constats qui ont déjà été exprimés, que je souhaitais partager avec vous. C'est voilà, toute la qualité des personnes que j'ai pu côtoyer au CSTI, que ce soit les médiateurs, les animateurs, animatrices. Voilà, la diversité des sujets évoqués, je crois que c'est remarquable, hein, être capable de balayer sur autant de sujets, d'enjeux et de territoires. Je crois que c'est assez... voilà, moi, je trouve ça remarquable. CSTI, Maison de la Mer, un tiers de confiance qui est en capacité de réunir des acteurs divergents, différents, et de les réunir autour d'un même objet, qui est celui de partager. Donc c'est un outil qui crée du lien, et ça, c'est, on n'en a jamais trop. Hein. Également, une équipe qui est à l'écoute et qui est attentive aux acteurs économiques autour de leurs enjeux. Ça, c'est pas non plus tout à fait anodin. C'est pas toujours ce qu'on trouve dans le monde de la recherche. On le trouve, mais voilà, l'université, je ne veux pas l'accabler, peut trouver aussi dans cet outil-là une façon de mieux connaître et de mieux s'ouvrir aux réalités du monde économique. Voilà. Et puis la force d'un réseau régional aussi, c'est de donner du coup un écho aux travaux lorientais plus largement. Pour conclure et pour finir, pardon d'avoir été un petit peu long, demain, je souhaite, ce vœu a déjà été émis, hein, que les travaux de la Maison de la Mer s'insèrent plus encore dans un ensemble plus large sur le maritime. Et c'est vrai que la belle ouverture, la belle opportunité du Port Center est une belle façon de prolonger les travaux accomplis depuis 30 ans. Je souhaite que du coup il puisse y avoir une pleine exploitation du potentiel issu de l'histoire, hein, déjà de 30 ans en termes de contenu et de savoir-faire, et que ça puisse être bien sûr bâti dans la durée, et puis sur un espace, alors un espace virtuel peut-être pour commencer, on est parti là-dessus autour du Port Center, mais c'est vrai qu'on peut rêver demain, après-demain, qu'il y ait un lieu physique dans lequel puissent se retrouver nos visiteurs, nos enfants, qui puissent nous permettre de révéler peut-être de façon différente et complémentaire ce que sont les activités maritimes. Voilà, donc une belle vie au CCSTI, et quand on est tourné vers la mer, on est forcément tourné vers l'avenir, donc voilà, bon vent à vous, et merci beaucoup. Merci Tristan pour ce tour d'horizon, hein, et pour ce rappel au fond des grands enjeux, hein, tu l'évoquais, sur les métiers, sur l'éclairage des citoyens, sur le fait maritime, et puis aussi sur l'attractivité du territoire par la mer, où là, en effet, par la médiation, le CCSTI est un acteur depuis 30 ans, et entend bien continuer à l'être. Qui souhaite prendre la parole, intervenir sur ces sujets? Il y a beaucoup de densité là dans tout ce qui a été dit depuis le début de l'après-midi. Oui, Jacques, merci. Merci de poser la première question, c'est ça? Voilà. c'est pas vraiment une question, c'est une information. Donc Jacques Dubost, Bretagne Pont-Laval et membre de la Maison de la Mer. On a beaucoup parlé plusieurs fois pendant la discussion de Port Center. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur ce que c'est? Non, enfin, plusieurs personnes autour de la table peuvent parler du Port Center. Le Port Center, c'est un concept qui a été développé par l'AIVP, qui est l'Agence internationale des villes portuaires. Donc, le principe étant, alors ça s'est décliné au niveau mondial, principalement au départ au niveau européen. Hein, l'AIVP est d'abord, comment dire, une création nationale. Hein, l'agence est centrée au Havre, hein, donc l'Orient fait partie des membres fondateurs, hein, de l'AIVP. Alors, sachant que, en fait, l'idée a été au sein de l'AIVP d'avoir un concept pour, au fond, faire un petit peu tout ce qu'a évoqué Tristan, c'est-à-dire faire du lien entre les acteurs économiques sur un port, faire connaître des métiers, des professions. Il y a des problèmes de recrutement dans tous les métiers, notamment dans les métiers maritimes. Créer finalement aussi avec les citoyens des villes portuaires des lieux d'échange, des lieux d'interface, parce que
Ça arrive bien souvent dans les ports, il peut y avoir des conflits d'usage, il peut y avoir des nuisances. Donc on a finalement là ce besoin d'une culture scientifique, technique, industrielle, et le mot industrie est très fort aussi dans tout ça, avec les populations des villes-ports. Ça a commencé alors du côté d'Anvers pour le premier grand investissement équipement. Il y a actuellement dans la plupart des grandes villes portuaires européennes des port centers qui sont des lieux physiques en général de médiation. Donc la version la plus, je dirais, la plus richement dotée, c'est celle de l'autorité portuaire d'Anvers. Mais il faut dire que derrière, il y a des budgets, vous l'imaginez, qui sont considérables. Et puis, donc, il y a différentes déclinaisons. La ville du Havre, donc... à décliner un lieu d'accueil qui est somme toute assez modeste. Voilà, donc nous on est parti, mais je vais peut-être laisser la parole à Franck Antiche qui suit ce dossier-là pour l'Odelore, hein, qui va pouvoir vous en dire aussi avec plus de précision, pour vous en dire plus. Nous on est parti sur un modèle plus numérique, en effet plus virtuel. Je vais laisser à Franck de compléter, hein, pour informer sur ça. Donc effectivement, c'est un concept qui est maintenant mondial. On a été la 10e ville à signer une charte avec l'AIVP pour développer ce concept de Port Center. Derrière nous viennent Marseille, Montréal et Québec. C'est les 3 derniers signataires. Et la prochaine signature, je crois que c'est le port de Nice. Et donc sur notre territoire, on est parti sur une dynamique multipartenariale. Parce que, au regard de ce qui s'était fait au niveau européen, c'était essentiellement sur des grands ports maritimes et des ports de commerce. Et nous, on s'est dit qu'au regard de la richesse économique de notre territoire, on n'allait pas simplement travailler sur le port de commerce. Aujourd'hui, on a des excellences et des pôles d'excellence sur tous les milieux maritimes. Donc la particularité de notre démarche de Port Center, c'est d'expliquer et d'exprimer nos richesses maritimes, mais sur la globalité des activités, c'est-à-dire de la plaisance à la construction navale, au port de pêche, au port de commerce, à la conchyliculture, enfin voilà, tout ce qui anime nos communautés maritimes, et j'ai oublié la marine nationale, bien sûr. Donc c'est un challenge, bien sûr, parce que c'est plus complexe que d'embrasser la globalité de ces secteurs-là que d'être mono-activité. Et le choix au départ de nos partenaires, parce qu'on est une dizaine autour de la table pour construire cette démarche-là, ça a été de construire un site, un portail, qui va être mis en ligne d'ici un mois et demi à peu près, où le citoyen, l'élève, le touriste pourra accéder à un chapeau présentant la globalité des activités et des richesses maritimes sur notre territoire. C'est la première action, alors concrète, même si c'est du virtuel, mais c'est une première action concrète. Et derrière, on a, avec le soutien de la région, de l'Orient Agglomération, mis en place, et on va le présenter d'ici quelques temps, un programme de travail sur 3 ans pour pouvoir coupler les différentes activités, les différents professionnels, qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent. Et à partir de ce concept de Port Center, et en partenariat entre autres avec la Maison de la Mer, essayer de vulgariser et d'avoir des actions communes sur notre territoire, même si quand on a fait notre benchmark au départ, il faut dire qu'on a déjà énormément de choses qui sont faites chez nous. On a référencé 70 structures qui mettent en avant la mer sur l'Orient, mais il manquait quelque part... Et on va écouter les uns et les autres, un fil rouge, un fil conducteur qui puisse fédérer toutes ces actions-là. Et donc, c'est via cette notion de Port Center qu'on propose de le faire. Donc, on s'est lancé tous ensemble dans la démarche et on va pouvoir commencer à faire des choses plus concrètes vis-à-vis de l'ensemble des communautés maritimes à partir de cette année. Merci, Franck. Ça veut dire aujourd'hui que ça permettra de fédérer les différentes structures du monde maritime local, quoi. Merci. Oui. Oui, avec un double enjeu, donc fédérer effectivement et unifier la présentation de nos activités maritimes. Et puis, l'essentiel est peut-être là, c'est de susciter du lien, de la rencontre, y compris de la rencontre inattendue, entre des acteurs qui ne se connaissent pas et qui finalement vont, j'en suis convaincu, trouver à faire des choses ensemble. Et je forme le vœu et vraiment l'espoir sincère et je crois crédible que ce soit source de surprise et du coup d'innovation et donc de développement. Une autre intervention, une autre question? Oui. Oui, Gilbert Blanchard, je suis administrateur de Science Ouest à Rennes et accessoirement l'ancien directeur des biotechnologies en Bretagne et puis membre du Césaire aussi où on avait fait
une analyse prospective de la culture scientifique. Alors, suite aux différentes interventions, il m'est venu deux questions qui s'emboîtent un petit peu l'une dans l'autre. La première, c'est que je suis un peu déconcerté parce que la conclusion de la première réunion que nous avons eue et que nous a présenté Guy, c'était de dire que sur la Maison de la Mer, il y avait quand même une certaine incertitude. Une incertitude sur l'avenir, une incertitude sur les financements, une incertitude sur les orientations que pourrait prendre notre, je dis notre parce que je m'inscris évidemment dans la dynamique régionale à laquelle j'appartiens. Alors, s'il y a cette incertitude, c'est peut-être qu'il y a un chaînon manquant quelque part. Et que ce chaînon manquant pourrait être, par rapport à l'intervention sur le développement économique, c'est est-on en capacité aujourd'hui, ou peut-on y réfléchir demain, à démontrer, voire prouver l'utilité ou l'apport simplement de la culture scientifique de la Maison de la Mer vis-à-vis du développement économique, parce que ça serait une des clés. Bien évidemment, si on était en capacité de prouver tout ce qu'on déclare, c'est-à-dire que ça crée du lien, ça apporte, etc., etc., certes, mais est-ce qu'on est en capacité de prouver que tout cela a un réel intérêt ? Parce que si ça a un réel intérêt sur le développement économique, la question du financement ne se pose plus. Il suffit de demander la participation des entreprises, et même les collectivités trouveraient leur intérêt puisqu'ils seraient justement quantifiés et prouvés. Et la deuxième question, qui consiste justement à la façon dont on pourrait prouver tout cela, c'est que lorsqu'on avait fait cette étude sur la culture scientifique, technique et industrielle dans le cadre du Césaire Bretagne, une des difficultés qu'on avait identifiées, c'était plus d'aller vers les publics, et le monde économique est un des publics principalement concernés, évidemment, c'était la difficulté d'aller vers des publics plutôt que d'accueillir les publics. C'est-à-dire que on a la même difficulté à Rennes, hein, rassurez-vous, ce n'est pas une problématique lorientaise. Hein, je ne suis pas là pour donner des leçons ou vous dire que vous ne faites pas bien. Mais la difficulté, c'est de dire on crée des outils pédagogiques, on a des médiateurs, on a tout ce qu'il faut pour que le public vienne les rencontrer, qu'on puisse leur transmettre une certaine culture scientifique, certes. Sauf qu'à l'école, on est obligé d'y aller. À la culture scientifique, on n'y va que ceux qui veulent bien y aller, y compris d'ailleurs les acteurs économiques. Donc je crois qu'une des difficultés qui fait qu'on est dans l'incertitude pour demain, c'est notre difficulté en matière de culture scientifique de prouver et de démontrer qu'on a réellement un rôle majeur à la fois vis-à-vis de l'ensemble de la population, parce que plus les gens savent et moins ils ont tendance à déconner, et je mets des guillemets, mais aussi, et je pense qu'au niveau des apports, madame est anthropologue, donc au niveau des apports sociétaux de la culture scientifique, il doit y avoir quand même des moyens d'intervenir et de faire des démonstrations plus, je dirais, probante, qui pourrait lever les verrous des aléas sur l'avenir. Alors, peut-être la question est-elle compliquée et pas très facile à répondre, mais c'est quand même une des interrogations majeures. Témoignage de votre part, hein, et en même temps, question hein, soulevée, donc qui veut interagir ? Tristan ? Voilà, la question est à la fois pertinente et en même temps particulièrement redoutable, parce qu'en fait, prouver une utilité, la preuve se fait comment ? Elle se fait comptablement, elle se fait par le biais de témoignages. Donc c'est quelque chose qui est assez insensible. Prouver de l'effet de la culture,
sur les consciences, sur la démocratie, sur le rêve des Lumières qui était que la connaissance était vecteur de développement, de démocratie, de respect et de paix. Est-ce qu'on est en capacité de prouver que ça marche ? Oui. Oui, sans doute, mais c'est pas un champ qui peut être, à mon sens, évalué sous un axe enfin extrêmement quantifié. Pour autant, il y a une vraie conviction que ça y contribue. Enfin, c'est les quelques idées que j'ai tenté de partager avec vous, mais c'est pour ça que la collectivité, en l'occurrence la ville de Lorient et Lorient Agglomération, continue de soutenir la Maison de la Mer pour les raisons qu'on a. Préciser, enfin, et de par ce qu'est aujourd'hui la Maison de la Mer et ses projets par ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on souhaite contribuer à ce que ce mouvement-là s'insère avec d'autres mouvements et que ça fasse encore plus système et que à la fois les opportunités et les coûts de la structure soient diminués, mutualisés et que du coup voilà ça soit quelque chose qui soit le plus durable possible. Et puis pour ce qui est de la participation des entreprises, je dirais qu'elle, d'une certaine façon, elle contribue via l'impôt. Aujourd'hui, l'impôt économique est pour la moitié des ressources de l'agglomération, par exemple. Et en fait, sur le terrain, je crois qu'il y a une participation des entreprises, tout simplement parce que les ateliers de marée s'ouvrent aux visiteurs qui sont guidés par la Maison de la Mer, parce que les lieux s'ouvrent, alors pas tous, pas tout le temps, parce que ce sont des lieux de travail, mais je dirais que c'est une contribution qui se veut utile aussi pour permettre aux gamins et aux non-gamins, hein, de, si ce n'est de toucher, mais en tout cas de regarder une personne en train de fileter un poisson, voir une vente s'effectuer, mettre la main là-dessus, ça suppose une participation et une ouverture des professionnels eux-mêmes. Et je crois que c'est fait. Alors, peut-être qu'on a des choses à améliorer de ce point de vue-là, mais la grande force de la Maison de la Mer, c'est que le temps passant, la qualité du travail et sa légitimité font que j'ose espérer que les relations sont faciles avec les acteurs économiques. Et du coup, ça facilite énormément les choses. Il n'y a pas de scepticisme, il n'y a pas de méfiance à l'égard de l'équipe de la Maison de la Mer. Et ça, c'est un point qui me semble important. Bon, je réponds un peu peut-être à côté de votre question, mais... Juste un mot donc de la part de Michel Cabaret, puis ensuite nous enchaînerons par l'intervention d'Emmanuel Williamson. Non, moi je vais être très court, parce que je vais y revenir un petit peu tout à l'heure dans ma présentation rapide, mais ce que je voulais dire, c'est que nous aussi, à Rennes, lorsqu'on a démarré nos actions, on avait une petite fréquentation, Gilbert, et on est devenu le premier lieu fréquenté pour les centres culturels à Rennes, avec plus de 200 000 entrées par an, donc il y a vraiment un public qui demande qu'à être satisfait, qu'à satisfaire plutôt ses besoins liés à la curiosité naturelle qu'on a tous. On voit bien que la culture scientifique est promise aussi à un bel avenir. Il faut lui donner un petit peu des moyens, on pourra y revenir tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est un petit peu en résonance avec Dominique aussi. Aujourd'hui, il y a une évaluation qui se fait dans nos centres au niveau de... Dominique m'en parlait de l'AMSTI. Il y a des indicateurs aujourd'hui qu'on observe, qu'on analyse, qu'on suit, des indices culturels qui nous permettent de voir le nombre de visiteurs, mais aussi les de visite, les questions posées, les sujets souhaités. Donc, il y a une démarche aujourd'hui d'évaluation de toutes ces actions-là et qui montre bien que la culture scientifique, elle joue un rôle majeur dans le domaine culturel aujourd'hui. Et j'en suis sûr pour Lorient, c'est évident. Voilà. Donc, mais c'était ça que je voulais dire un petit peu, Dominique. On suit ces chiffres-là, Gilbert. On y travaille. Moi, j'en avais pas de doute. Simplement, je voulais qu'on en parle tout de suite, d'où l'objet de ma question. C'était pas que moi, j'en doutais. Hein. Bien, merci. Nous allons laisser la parole à Emmanuelle Williamson, qui est adjointe au maire de la ville de Lorient pour la culture et l'éducation, alors qui est membre du conseil d'administration de la Maison de la Mer. Emmanuelle, de nous parler de la CCSTI, cette fois-là, à l'interface avec la culture et puis avec l'éducation. Bonjour. Alors, je crois que les débats précédents étaient une belle introduction, puisqu'il était bien... question de soit aller vers, soit accueillir les publics. Et je voudrais, puisqu'on parle de la Maison de la Mer, commencer par parler de la mer
qui avant tout, pour chacun d'entre nous, est une sensation. Une sensation et un questionnement. Qu'on soit face à la mer, à côté de la mer, ou sur la mer, ou sous la mer, c'est d'abord une sensation. C'est une sensation et qui est mêlée à un énorme questionnement, parce que la mer est immense et on est tout petit face à la mer. Donc je voulais juste commencer par ça pour rappeler qu'effectivement ici, on est beaucoup de scientifiques, mais pas que. Et quand on parle science, très souvent, on oublie notre intelligence sensible. Et il y a une véritable fracture. Et c'est d'ailleurs pourquoi la culture scientifique a pendant longtemps été abstraite de la culture générale. Alors ça vient de l'histoire de nos politiques culturelles, mais ça vient aussi, à mon avis, une confusion qui a été faite entre enseigner les sciences et développer une culture scientifique. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors d'abord, pourquoi cette place à côté de la culture générale, je ne vais pas refaire l'histoire des politiques culturelles, mais dès le 19e, être cultivé, c'était avoir un certain bagage, un corpus d'œuvres, de noms d'artistes, de livres lus, d'auteurs d'œuvres rencontrées, et qui permettait une distinction sociale. C'était pas n'importe quel enfant qu'on mettait devant un piano, c'était pas n'importe quel enfant qui avait droit à un précepteur et aller au théâtre. Quand on voit la configuration des théâtres, c'était bien pour être vu et non pas pour voir forcément des œuvres. Donc de cette distinction sociale, bien entendu, la culture scientifique a été, inconsidéré, puisque finalement la culture dominante était quand même plutôt du fait d'un héritage de l'Église et de la noblesse qui finançait les artistes avant le 19e. Et par contre, tous les progrès scientifiques étaient plutôt le fruit des Lumières et donc d'une société plutôt laïque et plutôt liée et on le sait, à l'Orient, c'est-à-dire où l'Orient était un chantier qui est devenu une ville qui n'avait pas d'évêché comme Vannes ou Quimper, et on a une ville qui s'est construite il y a 350 ans sans ce poids de l'Église et de la noblesse. Enfin, je vais vite, je fais des raccourcis, mais je fais exprès parce que je pense que pour expliquer cette place spécifique de la culture scientifique dans la culture générale et dans ce qu'on appelait être cultivé, il faut peut-être revenir à l'histoire. Le deuxième point, c'est qu'on a, comme je le disais, je pense, confondu enseigner les sciences et développer une culture scientifique. Et ça, je pense qu'il faut revenir là sur l'histoire de l'éducation, où on a voulu, bien entendu, faire venir et faire accéder tous les enfants à l'école, au savoir, mais après le certificat d'études, on sait bien qui restait dans les écoles et qui partait travailler tout de suite, même si à l'époque, le certificat d'études comportait quand même certaines, on va dire, aussi culture générale. Toujours est-il que on a mis de côté assez rapidement tout un savoir-faire pratique, manuel. C'est-à-dire que l'idée de l'école républicaine, elle était quand même d'extraire l'enfant des classes populaires, l'enfant d'agriculteur, l'enfant d'ouvrier, pour le couper de ce monde-là, le couper de sa famille, des habitudes familiales, pour l'emmener dans un monde laïque, où il était plus sous l'influence d'eux. Il y avait vraiment, c'était l'idée de l'émancipation, mais l'idée de l'émancipation par l'arrachement.
Voilà. Un peu comme on a fait avec le colonialisme plus tard. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne éducation, une bonne culture, c'était finalement pas celle du peuple. Hein, c'était donc tous les savoir-faire manuels, y compris les savoir-faire techniques, ils ont été, on va dire, un petit peu relégués. Et c'était dans les lycées, c'était après le certificat d'études qu'on avait accès à la vraie culture, entre guillemets. Et on a aussi, donc, quand les pédagogues, je pense à Maria Montessori, à Freinet, etc., on dit qu'en fait, les enfants apprenaient beaucoup mieux en étant acteurs de leurs apprentissages, en passant par l'expérimentation, par l'essai, l'erreur, que l'erreur était quelque chose d'absolument nécessaire pour apprendre, par le questionnement. C'est-à-dire, on ne fait pas de programme, mais c'est la question des enfants qui va amener à la connaissance. Hein, ce n'est plus le savoir descendant, c'est le savoir ascendant, qui part de l'intelligence sensible. Tu parlais de surprise tout à l'heure, de la surprise, de l'expérience, y compris l'expérience physique. Donc ces pédagogies actives, elles n'ont jamais trouvé leur place réellement dans l'institution. Ce qui peut expliquer le fait que cette culture scientifique n'ait pas été à la base de la transmission. Et puis, il y a eu aussi le fait que les filières scientifiques, petit à petit, sont devenues des filières d'excellence. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Mais de transformer les filières scientifiques en filières d'excellence, qu'est-ce que ça a fait ? C'est qu'on a transformé ce qui aurait pu être le questionnement, l'interrogation, la place de chaque élève dans sa propre recherche. Eh bien, on a préféré un savoir livresque plus théorique. Heureusement, ça c'était pour expliquer comment on en est un petit peu arrivé là avec un statut différent, je dirais, de la culture scientifique dans la culture générale. Mais heureusement, il y a eu en 96, moi je voudrais faire référence à Charpak et à l'expérience La main à la pâte et cette pédagogie de l'investigation, qui tout d'un coup a remis au premier plan cette pédagogie du questionnement, ce dont parle Charpak, c'est la démarche d'investigation raisonnée. Donc on fait rentrer de plein pied les élèves dans la démarche scientifique par le questionnement, par l'expérimentation, avec des mises en œuvre concrètes accompagnées. Et je crois que ce que fait la Maison de la Mer aujourd'hui encore, c'est vraiment inspiré de ces démarches-là qu'on pourrait relier aux pédagogies actives. Et c'est là où je voudrais faire le lien avec la culture. Parce que lorsqu'on est dans une expérimentation, ça veut dire qu'on va toucher une matière. On va rencontrer des personnes physiquement, on va aller dans un lieu, au bord d'un quai, à la criée, ça va sentir le poisson, on va sentir le froid, on va sentir le chaud, on va voir aussi, puis on va se déplacer pour y aller. Mais même si ça se passe dans la classe ou dans l'école, on va toucher, on va faire, on va mettre en œuvre tous nos sens et toutes nos... Il y aura un engagement et quelque chose qui est extrêmement important dans l'apprentissage de nouvelles connaissances, c'est l'incorporation. Et là, je vais faire le lien avec, justement, les autres arts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pratiques culturelles, il y a toute une réflexion autour des droits culturels. Et que ces droits culturels, eh bien, ils font référence à la dignité des personnes. Il renvoie aux droits de l'homme, les droits culturels étant un des droits des hommes et des femmes.
et il passe par cette incorporation d'expériences artistiques, que ce soit de danse, de musique, d'art plastique. Et le lien avec la culture scientifique, à mon avis, il est là. C'est-à-dire que déjà, dans des espaces comme la Maison de la Mer, on travaille sur cette incorporation des connaissances, où chacun est sujet et acteur de sa connaissance. Et c'est vrai qu'à l'ère du numérique, ça paraît un petit peu anachronique, peut-être. Hein. Je passe peut-être là pour une ancienne 68arde qui... Mais non, pas du tout. Justement, je pense qu'au moment où on a autant de connaissances à disposition, on a autant de ressources, pour chacun d'entre nous, c'est déjà pas si mal d'avoir accès à ces ressources. Mais ce qui est important, c'est que ces ressources, on les fasse siennes et qu'on les confronte à nos propres connaissances déjà existantes. Je ne suis pas une scientifique, mais je sais que pour apprendre, il faut créer des synapses. Donc, pour créer des synapses, il faut bien qu'on soit renvoyé à sa propre expérience et à ses propres savoirs antérieurs. Donc, je pense qu'on touche... quelque chose qui pourrait ouvrir des perspectives, puisque je crois que c'était un petit peu la commande aussi. C'est-à-dire que j'ai fait un petit retour vers le passé, hein, sur essayer de comprendre pourquoi la culture scientifique était un peu tout le temps à côté de la culture. Je crois que ce temps-là, on peut tout à fait le dépasser, et que partir sur cet objectif, je pense qui nous rassemble tous, de créer une citoyenneté scientifique, parce qu'en fait la science c'est quand même vraiment cela. C'est, ça a été dit à plusieurs reprises, hein. C'est-à-dire que dans un monde où on entend tout le temps parler à nouveau de croyances, je pense aux créationnistes aux États-Unis, de superstitions, le nombre de séries qui... Voilà, j'entendais tout à l'heure à la radio un film là, qui sort sur une apparition. Enfin voilà, notre monde est à nouveau... traversée, et notamment les jeunes générations, par tous ces phénomènes-là. Et je crois que créer une citoyenneté scientifique, c'est extrêmement important. On a tous besoin de comprendre le monde, d'autant plus que ce monde est de plus en plus ouvert et où toutes ces connaissances ne sont absolument pas triées, priorisées, et pour les faire siennes et pour vraiment se les approprier et qu'elles soient utiles, il y a tout un travail de décryptage. Mais je pense qu'il faut aussi que les scientifiques pensent à sortir du dur, quoi. C'est-à-dire revenir à la sensation, à ce que je disais tout à l'heure. La mer, c'est une sensation. C'est d'abord une sensation. Et revenir au corps, revenir... Et souvent, les... je crois que... Bon, voilà, on a eu, c'est l'image que donnent les scientifiques, mais je crois qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas comme ça. Mais je crois que là, il y a des liens à tisser avec les autres domaines artistiques, mais je dirais plutôt que des domaines artistiques, les autres façons de comprendre le monde et de le regarder. Alors, on a la chance à Lorient d'avoir déjà ce type de croisement. Je pense à Pêcheurs du Monde. Ce sont des artistes qui utilisent l'image et qui nous font comprendre la mer, les métiers de la mer, par leur art, par leur langage. On a la chance d'avoir, je vois la Cité de la Voile qui est là, le salon du livre de mer. Il y a la littérature qui est une formidable... ou les aventuriers de la mer. Il y a une... Je pense à la littérature, à mon avis, est un formidable moyen d'avoir une approche... alors qu'est peut-être pas dans un premier temps scientifique, mais pourquoi pas d'avoir une expérience sensible et de s'approprier des langages. Et puis je pense par exemple
à quelque chose, une expérience qui a été menée par le conservatoire, qui a fait venir un chercheur en neurosciences pour comprendre comment la musique pouvait être favoriser une forme, enfin au niveau du cerveau, des capacités supplémentaires. Voilà. Il y a des rapprochements comme ça qu'on n'imagine pas forcément entre les arts et la musique, mais en fait, il y a comme les arts et les sciences. Et l'art, c'est avant tout un espace d'expérimentation et d'espacement du connu. Donc en fait, on a quelque chose en commun. Et je pense qu'il y a peut-être des perspectives à travailler. Et voilà, moi donc, en tout cas, je voudrais remercier très très sincèrement toute l'équipe de la Maison de la Mer. Je suis très heureuse quand je peux participer au CA. Et j'ai été très émue tout à l'heure en regardant les photos de voir Patrick Daniel, à qui je voudrais rendre hommage, qui était adjoint à la culture et qui a été donc animateur à la Maison de la Mer. Et voilà, il m'a fait découvrir, quand j'étais enseignante, avec mes élèves, le port de Lorient. Merci. Merci Emmanuel pour, pour cette riche intervention et puis pour ton témoignage. Oui, allez, une question. Bien, merci. D'autres, comment dire... Alors, Dominique Petit. Oui, peut-être que Martha peut prendre la parole, parce qu'on va faire une résidence d'artiste. Donc Martha, si vous voulez bien prendre la parole. On a un projet, justement, pour répondre à Emmanuel. Merci de m'avoir invité. Je voulais dire seulement que nous sommes en train... D'accord. Approchez le micro, voilà, si vous d'accord. pouvez. Donc, merci de m'inviter à cette table ronde. Donc, je suis Martha Maurice, artiste peintre, et nous sommes en train d'établir un projet qui va, j'espère, lier tout ce qui a été dit tout à l'heure, la culture et la science. Donc... Et aussi, il faut dire qu'on va inviter le public, on va créer des ateliers et accueillir un public. Et j'espère que c'est par le biais de la peinture, la culture, qu'on va faire découvrir à toutes sortes de populations la science. Voilà, donc j'espère qu'on va créer de nouveaux ponts, de nouvelles traversées. Voilà. Merci. Merci. D'autres interventions. Alors on va céder la parole à Yannick. Christophe, je vais poser une petite question. Vous parlez d'éducation à l'environnement, patrimoine, patriotique et tout. Je voudrais poser une petite question. Pourquoi l'Odysseum il est fermé alors qu'il traînait effectivement beaucoup d'écoles et que ça fonctionnait très bien cet établissement à Ponskorff ? Question anecdotique, mais bon, non, si on parle d'environnement, éducation et protection et autres, protection, alors, pourquoi cet établissement est fermé ? C'est l'agglomération de Lorient qui gérait par le biais de la CELOR cet équipement muséographique et qui effectivement a présenté un certain intérêt, mais il se trouve que la CELOR a souhaité se réinterroger sur le fonctionnement de tous les équipements muséographiques. Il y a la petite mère de Gavre, vous savez, la maison de Kerner, et l'Odysseum en fait rencontrer un public certain mais pas forcément suffisant pour maintenir un équipement avec tous les... Ouais, c'était un choix. Enfin, Pour le coup, ça recoupe votre intervention sur les modalités de financement de la CCSTI.
Peut-être pour compléter rapidement, mais pour autant, le dossier n'est pas clos, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une réflexion en cours pour que ce lieu continue d'être un lieu de ressources et de médiation autour de l'eau, des bassins versants, en fait, qui est une question là aussi absolument fondamentale, bien évidemment, voilà, tout autour de la qualité de l'eau. Donc, il y a des discussions engagées actuellement pour que ce lieu conserve cette dimension de médiation. Voilà, pour autant, voilà, je crois qu'Emmanuel a répondu pour l'essentiel. Donc c'est en mutation, voilà. Donc c'est peut-être d'autres modèles qu'il faut inventer. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on a le plaisir d'accueillir donc Yannick Pont, hein, qui est chargé du réseau Mer et Littoral de Bretagne. On a souhaité que Yannick puisse nous parler au fond des actions, hein, des différentes actions que conduit la région Bretagne dans une thématique assez englobante du réseau Melglas et évidemment de l'éducation à la mer. Bonjour, donc, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole au nom de la région Bretagne. Je vous prie tout d'abord d'excuser Pierre Carleskine, le vice-président à la mer, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Et je représente pour ma part plus particulièrement, donc, au sein des services de la région, la direction de la mer, du développement maritime et du littoral, et le service des politiques maritimes et des stratégies de la zone côtière, le SPOMAR, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et qui entretient donc des relations régulières et tout à fait cordiales avec la Maison de la Mer depuis longtemps. Alors c'est avec un grand plaisir que j'ai aujourd'hui pour témoigner de l'importance que revêtent aux yeux de la région Bretagne les enjeux littoraux et maritimes et la manière dont nous considérons les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle, telle que la Maison de la Mer, comme des parties prenantes essentielles pour l'acculturation de la société bretonne à ces enjeux. Alors je ne vais pas revenir sur l'importance de la mer pour la Bretagne dans le contexte économique, écologique et sociétal actuel, ça a déjà été mentionné. Ses apports sont vastes dans de multiples dimensions, les ressources biologiques, le transport, l'énergie, les loisirs, etc. Ce que je veux souligner, c'est que si nous sommes tous ici convaincus et informés de ces enjeux, ce n'est pas forcément le cas de tous hors de ces murs et qu'il est nécessaire de favoriser jour après jour l'appropriation individuelle et collective des enjeux maritimes et de leur complexité. S'il ne s'agit pas de faire de tout un chacun un multispécialiste de toutes les dimensions maritimes et de la gestion intégrée de la zone côtière, ce serait assez illusoire. Au moins, pouvons-nous contribuer à insuffler un effort constant de maritimisation des esprits. Par maritimisation des esprits, j'entends ici faire en sorte que les Bretonnes et les Bretons pensent plus spontanément mer. Pas seulement lorsqu'ils pensent à une journée à la plage ou au plateau d'huîtres du Réveillon, mais aussi lorsqu'ils pensent emploi, formation, patrimoine culturel, aménagement, préservation de l'environnement, etc. Qu'ils pensent leur intérêt à construire leur vie par et pour la mer, à s'en servir autant qu'à la préserver, dans une relation d'intérêt réciproque entre la société et l'écosystème littoral et maritime dont elle dépend. Et cela qu'ils vivent sur le littoral, sur le littoral ou en Bretagne intérieure, car cette Bretagne-là n'est jamais très éloignée non plus de la mer et de ses problématiques. Alors en Bretagne, nous avons la chance que cet enjeu et cette ambition d'acculturation générale à la mer soient portés dans le cadre d'une dynamique collective partagée depuis plusieurs années par un ensemble d'acteurs du champ de l'éducation pris au sens large et dans lequel la Maison de la Mer s'est impliquée. Ainsi, en mai 2013, à l'occasion des premières rencontres régionales de la mer et du littoral, la région Bretagne organisait un atelier sur l'éducation à la mer. Cette initiative s'inscrivait dans la suite de différentes actions. Tout d'abord, l'écriture de la charte des espaces côtiers, qui avait identifié au premier rang de ces chantiers phares le renforcement de la culture maritime. Ensuite, l'appel à manifestation d'intérêt, les jeunes et la mer, centré sur les métiers maritimes et qui avait rencontré l'intérêt de nombreux acteurs et impliqué des établissements scolaires. Également, l'engagement des territoires dans des démarches de gestion intégrée des zones côtières à travers des actions de sensibilisation aux enjeux maritimes. Et enfin, un appel à projets innovants de la région autour des thématiques de la charte qui faisait émerger de nouvelles approches. Cet atelier de mai 2013 a confirmé le besoin d'une mutualisation des actions à l'échelle régionale pour les conforter, leur donner de la visibilité et échanger sur les pratiques. Il a également conclu que l'éducation à la mer devait toucher tous les publics. Ça a déjà été mentionné par de précédents intervenants. La jeunesse, certes, mais pas que la jeunesse. Ce sont aussi les adultes qui, actuellement, par leurs activités et leurs décisions, ont un impact sur ce qui se passe pour la mer et pour le littoral. Dans ce contexte, un groupe de travail coanimé par le REB, le réseau éducation à l'environnement en Bretagne, le rectorat et la région a été rapidement mis en place. D'ailleurs, à l'époque, le rectorat venait de lancer un groupe mer et enseignement réunissant des enseignants de différentes disciplines et qui a abouti à la mise en place d'une plateforme numérique mer et enseignement dédiée au partage des ressources entre enseignants et qui existe toujours. Les membres de la conférence régionale de la mer et du littoral, co-présidée par le préfet de région, le préfet maritime et le président du conseil régional, ont été invités à participer à ce groupe de travail
Et c'est au total une centaine de structures, près de 200 personnes, qui ont participé à au moins une des réunions de travail qui se sont tenues pendant un an. La Maison de la Mer s'y est elle-même impliquée de façon très active. Les impacts de ce groupe de travail ont été multiples et de différentes natures. Il a permis en premier lieu de construire une dynamique régionale, ce qui en soi est quelque chose, en mobilisant à plusieurs reprises des structures diverses pour co-construire des pistes d'action. Il a favorisé la convergence des points de vue autour d'un message qui rappelle, d'une part, l'importance de la mer et du littoral pour la Bretagne et le renforcement de son ambition maritime, d'autre part, l'intérêt d'approches à la fois intégrées et citoyennes des enjeux maritimes pour développer les activités et préserver les milieux. Cela a permis à certaines structures dont l'action est essentiellement tournée vers l'environnement et la biodiversité de prendre davantage en compte la globalité des dimensions du maritime, notamment les activités économiques et les savoir-faire maritimes. Les structures à vocation plus économique ont, elles, de leur côté, pu mieux s'approprier les enjeux environnementaux. À l'exemple de la part croissante donnée à la connaissance des milieux dans la formation des moniteurs de voile. Ainsi, des acteurs qui se pensent en concurrence ont perçu l'intérêt de travailler ensemble en complémentarité. Je citerai trois autres impacts particulièrement notables. Premièrement, la mise en place par la région d'un nouvel appel à projets éduqué à la mer au littoral en 2015 et 2016 qui a permis de faire émerger une cinquantaine de projets dont 20 ont pu être financés. Deuxièmement, la réalisation par le REB d'un guide de capitalisation sur l'éducation à la mer qui a été montré dans le diaporama tout à l'heure par Dominique et où l'on trouve d'ailleurs une fiche d'expérience sur les classes d'études portuaires de la Maison de la Mer. Autre création du REB, la création du site La Toile de Mer, plateforme numérique collaborative destinée à partager les ressources et les actualités et à favoriser l'échange et la mutualisation. Et je ne peux d'ailleurs que vous inviter à consulter ce site et à contribuer à l'alimenter, le cas échéant. Troisièmement, et cela concerne directement le territoire lorientais, une dynamique s'est mise en place autour de l'outil Port Center qui a déjà été mentionné. Les ports sont en effet apparus comme des espaces pertinents pour diffuser une culture maritime, développer des approches intégrées citoyennes, des enjeux de la mer et du littoral auprès des différents publics, mettant en exergue la multiplicité des activités à faire coexister, le rôle des ports dans la mondialisation des échanges, les enjeux de la relation ville-port et bien d'autres sujets. Comme vous le savez, de nombreuses actions d'éducation sont menées dans les ports en Bretagne sur les thématiques maritimes, par Aliotica au Guilvinec, par la Maison de la Mer bien sûr à Lorient, par Océanopolis à Brest ou encore le port-musée à Douarnenez. Des structures locales proposent des animations sur les thématiques portuaires, visites de criées, découverte des métiers, patrimoine portuaire, fêtes, etc. Sur la base de la réflexion menée sur l'éducation à la mer, des réunions dédiées aux ports ont été organisées à partir de novembre 2014 et elles ont permis d'identifier les freins au développement d'actions éducatives dans les espaces portuaires, comme la sécurité, par exemple, qui nécessite d'organiser les déplacements des visiteurs dans l'espace. Elles ont également révélé l'intérêt de développer des partenariats pour consolider, enrichir les actions et, encore une fois, favoriser la mutualisation de moyens. Ça a été mentionné, donc les travaux sont orientés vers l'outil Port Center, label développé par l'AIVP, comme le disait Christophe, dont la région est adhérente, et qui permet de développer le dialogue entre ports et citoyens. Ce concept de Port Center rejoint de nombreux points les enjeux identifiés dans le groupe de travail régional. Donc ici même à Lorient, Lorient Agglomération a mandaté l'agence de développement Audelors pour lancer ce projet de Port Center, avec une signature de la charte du port en mai 2016, et la signature également d'une convention, la signature en cours d'une convention entre la région et Lorient Agglomération pour un soutien financier structurant ce projet. La Maison de la Mer est elle-même une des parties prenantes essentielles de ce Port Center. Pour la région, l'objectif, c'est à terme de couvrir l'ensemble des ports de Bretagne, quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire, dans un format qui, autant que possible, prendra en compte les spécificités locales. Dans le paysage global que je viens de brosser, la Maison de la Mer a une place particulière en tant que centre de culture scientifique, technique et industrielle. Et j'insisterai notamment sur ces deux derniers termes, puisque la Maison de la Mer propose en effet une approche polyvalente et plurithématique de la mer, mais elle a fait le choix notable de mettre l'accent sur la connaissance culturelle et technique des activités maritimes et portuaires, leur sociologie, leur histoire, les métiers qui y sont pratiqués, les innovations qui y sont expérimentées. En complémentarité avec d'autres centres de culture scientifique régionaux spécialisés sur d'autres thèmes, par exemple Océanopolis, plutôt orienté sur la biodiversité, elle compte donc, la Maison de la Mer contribue à une compréhension et une appropriation par le public des approches intégrées de la zone côtière, particulièrement sur l'éclairage, par un éclairage sur les techniques et les pratiques, et qui fait sa spécificité et sa plus-value. Elle s'est montrée innovante en développant il y a maintenant plusieurs années le concept de classe d'études portuaires et de circuits portuaires, donc ce succès ne se dément pas. Elle continue d'innover dans le numérique en développant une application comme Explorade. Et elle assure une fonction de médiation nécessaire entre les chercheurs, les professionnels, le grand public, et permet à celui-ci de découvrir le continuum recherche-innovation, en lui permettant de visiter par exemple des centres comme IDMER, ce qui ne serait pas possible autrement.
Donc la région Bretagne reconnaît et soutient ce rôle et cette spécificité. Elle apporte un appui structurel à la Maison de la Mer à travers un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel dans le cadre du soutien plus global au réseau régional des centres de culture scientifique. Et elle soutient également des projets plus ponctuels de la Maison de la Mer, comme cela a été mentionné tout à l'heure également, la réalisation, par exemple, en 2015, du guide des activités économiques et des loisirs maritimes du pays de l'Orient. Alors, sans trop empiéter sur les échanges qui vont se poursuivre autour de la place et du rôle de la Maison de la Mer pour la décennie à venir, que pouvons-nous attendre de celle-ci? Il nous semble qu'elle a un rôle à jouer encore et toujours pour porter davantage les enjeux maritimes auprès des autres acteurs de la culture scientifique. La question se pose également, il nous semble, du positionnement de la Maison de la Mer à l'échelle régionale. C'est un acteur avec une assise locale forte au niveau l'Orienté et Morbihanais. Peut-elle prétendre à une ambition, une visibilité plus vaste? L'appartenance au pôle Bretagne culture scientifique constitue un début de réponse à cette question. Toujours est-il que, dans cette réflexion sur son avenir, la Maison de la Mer peut capitaliser sur un contexte national qui n'a jamais été aussi propice à l'éducation à la mer et au littoral et à ceux et celles qui souhaitent s'y investir. On prendra pour preuve de ce contexte favorable le dernier Conseil national de la mer et du littoral du 25 janvier 2018, qui a été l'occasion pour le ministre de la Transition écologique de mettre l'accent, entre autres, sur l'importance des classes de mer comme outil d'acculturation. De même, dans le secteur éducatif, le concept d'air marine éducatif se diffuse actuellement et constitue une opportunité à ne pas rater, avec des possibilités intéressantes de partenariat entre collectivités, acteurs associatifs, médiateurs scientifiques et pourquoi pas chercheurs. Un appel à projet conjoint de la DREAL Bretagne et du rectorat est d'ailleurs en cours jusqu'au 2 mars. 4 aires marines éducatives existent déjà en Bretagne, dont 3, il faut le noter, dans le Morbihan, sur l'île d'Ars, à l'Armor-Baden et à Billiers. Et 30 projets supplémentaires sont en cours de structuration, ce qui constitue autant d'opportunités supplémentaires. La recherche participative constitue également un champ en forte émergence. De nombreuses initiatives dans ce domaine éclosent depuis plusieurs années en Bretagne, s'appuyant sur une véritable soif des citoyens, des associations et des acteurs socio-économiques à être reconnus comme contributeurs et producteurs à part entière des connaissances en partenariat avec les scientifiques. Des échanges de pratiques et des démarches conjointes sont à initier à l'échelle locale et régionale, et de nombreux acteurs, nous le savons, sont prêts à s'y investir. Citons en vrac et de façon non exhaustive l'Institut universitaire européen de la mer à Brest, le Muséum national d'histoire naturelle à Concarneau, le Réseau international des explorateurs de la mer dans le Morbihan, le REB, bien évidemment, et ses 120 associations membres sur tout le territoire régional. Et donc il y a là, pour la Maison de la Mer, mais tous les acteurs également l'Orienté et Morbihanais, à s'impliquer activement et à mobiliser leur réseau de partenaires scientifiques et associatifs. Enfin, dans le domaine économique, l'enjeu mer et littoral, la fameuse économie bleue, paraît désormais une évidence pour tous. La mer apparaît comme une nouvelle frontière, ce qui n'ira pas sans controverse et sans conflit, et implique donc de renforcer l'interconnaissance des acteurs, le partage des connaissances scientifiques et des connaissances d'usage et l'appropriation des enjeux afin de nourrir les choix de société à venir. Dans cette perspective, il nous semble important pour la région Bretagne, sans conteste, que la Maison de la Mer a des atouts à faire valoir pour contribuer à faire de la Bretagne une région où l'avenir de la mer et du littoral se construit sur la base du dialogue et d'une meilleure connaissance des autres. Je vous remercie. Merci. Merci à Yannick Pont pour ce témoignage d'expérience, alors à la fois, vous l'avez constaté, d'une grande diversité, aussi d'une grande densité qui sont conduites, hein, c'est plus que des expériences, ce sont des actions qui sont conduites sur déjà la longue durée de plusieurs programmes qui se sont enchaînés, donc pour permettre en région, autour de l'éducation à la mer, eh bien de valoriser la richesse de nos territoires. Je vous propose quelques questions, quelques interventions complémentaires. Comme on a la chance d'avoir des représentants, c'est rare pour moi, il manque le département, mais la région, la commune et l'agglo, est-ce qu'on peut imaginer une politique? Je suis un ancien prof en retraite qui a fait toute sa carrière pour faire en sorte que des gens de la terre, de notre agglo, viennent voir le port de pêche, voir la construction navale, voir les commandos et faire en sorte, et ce que je suis resté dans le même établissement pendant 42 ans, que l'ensemble d'un canton puisse accéder à les 5 ports de l'Orient. Je peux vous dire que tous les universitaires qui sont ici, je les remercie, la Maison de la Mer aussi, parce que c'était les documents que j'ai utilisés constamment. Tous les prétextes étaient bons
Quand on ne partait pas en Angleterre, je pouvais prendre une équipe de quatrième pour les envoyer voir Gavre, pour voir de l'autre côté de la rade. Alors je pose simplement cette première question. Est-ce qu'on peut imaginer une politique avec un résultat coordonné où tout enfant breton aura vu, que ce soit à l'école primaire, à l'école, au collège ou au lycée, au moins une fois dans sa vie, un port, les cinq ports peut-être chez nous, on a une chance, et qu'il y ait donc une politique d'aide, et j'ai tout entendu, une politique d'aide à la structure, d'aide au fonctionnement, mais aussi une politique, au sens propre, comme moi je l'entends, volontariste, où on va essayer de coordonner un résultat pour que tout enfant breton ait accès à cette connaissance de la mer, que ce soit par Internet, bien sûr, mais aussi en visite, en toucher, en tout ce que j'ai entendu, qui est très bien. Mais ça ne peut se faire que s'il y a une coordination, et là, il n'y a pas que vous à qui je pose la question. Je sais très bien le poids de la structure chez nous, Éducation nationale, et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu des collègues, des proviseurs qui m'ont soutenu, et carrément des subventionnements que je me suis démerdé à avoir, je peux vous dire que jamais je n'aurais pu faire cette chose-là pendant 42 ans. Si je n'avais pas été docker au port de pêche, jamais à l'époque, en 75, on m'aurait ouvert le port de pêche, et jamais mes élèves à 4h du matin, 5 par 5 dans ma voiture, n'auraient visité le port de pêche, n'auraient vu la construction navale, n'auraient vu les commandos marines, etc., etc. Mais je voulais dire une deuxième chose, c'est que j'ai suivi avec attention ce que nous avait dit Madame le maire adjoint, mais il y a, en plus de ce que vous avez dit qui est tout à fait juste, il y a de plus en plus un problème pour les jeunes, un problème d'orientation. Or, ça se faisait dans les familles, souvent. Or, de plus en plus, aujourd'hui, l'orientation se fait à l'école et avec les structures Internet, etc., etc., avec un tas de catastrophes de gens qui, tout d'un coup, découvrent à 17 ans, 18 ans, qu'ils sont mal orientés, mal préparés, qui ne savent pas où ils en sont. Je résume le problème. Si, en effet, depuis longtemps, on a montré la réalité économique, la réalité du territoire, et je compte beaucoup sur une politique de l'agglomération pour que, à la fois, des gens qui soient en ville aillent voir ce qui se passe dans l'agriculture. Et je peux vous dire qu'en milieu agricole, pour soutenir nos copains agriculteurs, j'ai fait beaucoup de travail scientifique avec des agriculteurs qui font de la génétique très profondément. Et j'ai envoyé avec les profs de sciences directement mes enfants voir et discuter avec ces professionnels. Donc je n'ai pas simplement fait l'accès vers la mer, mais en gros, j'ai essayé de faire en sorte que dans notre agglo, dans notre canton, nous ayons cet échange. Mais je peux vous dire que c'est un travail solitaire. Heureusement qu'il y a eu des gens pour me soutenir pendant 42 ans. Et je souhaiterais donc qu'il y ait une réflexion auprès des élus. J'ai été élu pendant 27 ans ou 28 ans. Donc je peux vous dire que j'ai prêché, mais j'ai prêché souvent dans le vide parce que ce n'était pas la mode. Alors comme j'ai la chance de vous avoir là aujourd'hui, ben, comme je sais que vous êtes convaincus de la question, si vous pouvez faire mieux les uns et les autres pour faire en sorte que le résultat soit là, que les enfants, un breton, puisse se dire « j'ai visité un port avec mes 17 ans, mes 18 ans, je suis allé une fois, deux fois ». Et la conclusion que je dis, c'est que maintenant, quand je retrouve mes anciens élèves, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me racontent la visite du port de pêche, la visite de la construction navale. Ils ont dit, j'avais jamais vu une frégate comme ça. Je savais même pas ce métier-là, comment c'était. Des autres qui ont découvert l'électronique, etc., etc., etc. Donc le souvenir qu'ils en ont, c'est énorme. Et ça fait souvent des choix dans leur vie. Merci. Merci pour ce témoignage, oui. Ce témoignage qui est éclairant, qui est un témoignage d'expérience d'enseignants et de terrain et qui montre bien l'articulation, une fois encore, de la CCSTI, hein, qui est essentielle, aussi bien pour permettre aux enseignants de disposer de contenu, de méthodes et aussi de s'ouvrir des espaces, parce qu'aujourd'hui, les ports, malheureusement, et pour des questions de sécurité principalement, hein, eh bien, ils se referment. Donc c'est vrai que tout un chacun ici pouvait aller à pied au port de Cargroise il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus possible. Cela étant, ces espaces portuaires ne sont pas étanches. Hein, et pour échanger, notamment dans le cadre du projet de Port Center, on le fait à la Maison de la Mer et on le fait dans le cadre du comité de pilotage avec les directeurs des ports. Ils sont en effet très désireux de continuer à les ouvrir
avec des modalités aujourd'hui peut-être un petit peu différentes de celles que tu as connues. Alors, si vous voulez bien, on va poursuivre. Ça aiderait au côté financier aussi. Hein. Ah, ça, c'est, si l'ensemble des jeunes assistaient et participaient et étaient présents, je peux vous dire qu'on arriverait peut-être à avoir des structures, et c'est dans le futur, je parle là, qui pourraient faire des conclusions. Et je crois qu'on a eu des réflexions sur le poisson, sur le saumon, sur les choses comme ça. Mais c'est une réflexion qu'il faut avoir très profondément. Parce que le résultat, en tant qu'enseignant, c'est énorme. Voilà, excusez-moi. Emmanuel, peut-être, et puis... Oui. Juste répondre et vous remercier, vous féliciter de ce que vous avez fait. Je crois qu'en fait, nous, élus de collectivités, on peut accompagner des structures comme le CCSTI hein, pour aider les enseignants dans leurs projets. Mais en fait, on n'a aucun pouvoir sur ni les programmes, ni ce que décident les enseignants. Voilà. Et on peut juste, ce que fait la ville de Lorient, par exemple, aider les enseignants, c'est-à-dire qu'on a des budgets pour les transports, pour leur permettre de prendre le bus et se déplacer. On les accompagne financièrement. On soutient la structure Maison de la Mer ou d'autres. Mais en fait, notre rôle s'arrête là. Voilà. Malheureusement, bien que je partage complètement ce que vous dites. Et on a tenté, là, au moment de la... Enfin, voilà, la réforme des rythmes scolaires nous a donné quelques plages, disons, supplémentaires au niveau de l'accueil périscolaire. Et on avait sollicité, bien entendu, la Maison de la Mer pour intervenir. Mais c'était des plages assez courtes. Après, on peut intervenir, oui, sur le périscolaire, mais sur le scolaire, on peut juste accompagner les projets des enseignants. Alors, c'est ce que l'on fait. Hein. Et on va maintenir, bien entendu, nos efforts dans ce sens-là. Mais on ne peut pas aller plus loin. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire monsieur, là. Et je vais tout à fait dans son sens. Initier les élèves. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre l'âge de 13-14 ans pour les initier. C'est bien plus jeune. Moi, je dis que nous sommes en bord de mer, c'est relativement facile. C'est à partir du préparatoire hein, qu'il faut commencer à amener les jeunes vers la mer. Écoutez, c'est pas difficile à comprendre. Vous leur donnez un ballon dans la cour. Eh ben, ils ne vont pas mettre 6 mois pour savoir comment on shoot hein, dans un ballon. C'est un petit exemple hein, facile, mais il est là. Moi, je pense que c'est les jeunes et les apporter doucement, mais sûrement, vers la mer. Vers la mer et la construction navale, parce que nous sommes dans un port, dans une ville portuaire qui construisons des navires. Construire un navire, ça se fait pas comme ça. Et à mon avis, la meilleure idée qu'on peut avoir pour l'architecture navale, c'est d'aller les voir. Mais aller les voir quand on est jeune, parce que on magazine, ça reste gravé. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. J'ai eu pas mal de dessinateurs sous mes ordres de construction navale et tous avaient la même préparation. Alors évidemment, il faut du monde pour les initier, les instruire, ces jeunes-là. Si les enseignants n'ont pas la compétence pour leur parler de bateau, c'est foutu. Alors je rejoins un peu ce que dit Madame Williamson. Là, elle avait la possibilité, enfin la ville avait la possibilité d'apporter les enseignants vers la marine, la mer. S'il n'y a plus ces possibilités-là, c'est foutu. Mais il y a quand même le CCSTI, l'espace des sciences. Qui fait ce travail-là
difficilement quand même, parce que c'est pas facile. Il suffit de demander à Dominique. Par exemple, avec nos mâles, où on a tout plein de petits objets qui se rapportent à la mer. Bien. Et même à l'architecture navale. Alors vous voyez, et ça, c'est des jeunes du primaire qui viennent. Bien, merci pour ton témoignage. On va poursuivre. Hein, donc, nous avons un quai qui s'approche 17h30 et ce n'est pas fondamentalement un accostage douloureux puisque le président et puis les administrateurs vont avoir le plaisir de nous offrir un verre de l'amitié. Donc je vais, si vous le voulez bien, c'est le troisième temps d'intervention qu'on a souhaité pour cette table ronde, demander à Michel Cabaret, hein, qui est le directeur de l'Espace des sciences de Rennes et qui est en charge de l'animation du pôle Bretagne Culture Scientifique, de nous parler d'expériences de médiation en Bretagne. Et puis à sa suite, donc, on demandera à Christiane Carré de venir nous parler de ses expériences au sein du CCSTI, localement à Lorient, dans le cadre de la Fête de la Science. Michel, à toi de jouer. Merci Christophe. Bon, écoutez, le temps est un petit peu avancé quand même, donc je vais essayer de retenir votre attention en m'éloignant un petit peu de la mer, de la pêche, des activités portuaires que vous aimez tous bien. Mais bon, la mer n'est jamais très loin en Bretagne, même à Rennes, donc je pense que vous comprendrez bien. Et puis je suis aussi avec Claire Villermoz qui est en face, qui est avec nous et qui est chargée de l'animation du pôle, et donc on pourra au cours du pôle répondre aussi à vos questions. Alors, ce que je voulais vous dire, et puis aussi, Guy est parti, mais bon, c'est pas grave. Dominique est là. Je terminerai aussi avec des propos que je l'espère optimistes pour l'Espace des sciences Maison de la Mer de Lorient. Alors, je voudrais déjà commencer. Je vais vous donner, hein, bien sûr, quelques exemples et des choses qui m'ont frappé au cours aussi, moi, de mes 30 ans d'activité à l'Espace des sciences de Rennes. Je voudrais déjà commencer par une chose, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais le 7 janvier dernier, la Fondation Jean Jaurès a publié une étude dans un grand quotidien français, Le Monde, et on retrouve parmi les résultats vraiment qui font très très peur, 9% des personnes interrogées pensent que la Terre est plate, 20% que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, et 15% qui réfutent le réchauffement climatique. Alors derrière tout ça, il y a de la théorie du complot. Je sais pas. Non, mais je plaisante. Bien sûr que c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème. Non, mais justement, je voulais démarrer là-dessus parce qu'il y a une trentaine d'années, quand j'étais venu te voir, Guy, je pense qu'on n'avait pas à l'esprit ces informations-là qui aujourd'hui nous arrivent régulièrement avec les fake news, la théorie du complot, la remise en cause aussi permanente des connaissances scientifiques. On avait Cédric Villani chez nous ou Étienne Klein. Cédric me disait en plein cours, quelqu'un me dit, mais ce que vous dites est faux. Un autre, de toute façon, c'est ce que vous nous racontez des salades, on ne vous croit pas, etc. Donc, on voit bien quand même que le monde, il a changé. Au cours de ces 30 dernières années, hein, c'est vrai, la science aujourd'hui, elle est remise en cause. Alors, il y a plein de sujets dans la société qui fâchent et qui font débat, quelquefois d'ailleurs à juste titre. Hein. Mais lorsqu'on parle de l'atome, des OGM, de l'alimentation, des ondes, aujourd'hui des compteurs Linky, de l'énergie, etc., on voit bien que on a besoin finalement de cette culture scientifique pour mieux, comme disait Madame Williamson, là, comprendre le monde un petit peu qui nous entoure. Alors, c'est vrai que dans un environnement aujourd'hui qui quand même est perturbé par cette crise, comment on aurait pu faire si on avait peur de tout, puisqu'on nous annonce même la fin du monde pour prochainement, comment on aurait pu faire pour aller poser le petit robot Philae sur la comète Chury, comment on aurait pu découvrir les ondes gravitationnelles ou encore le boson de Higgs. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu aujourd'hui de montrer cette science, de la partager, de l'expliquer dans un monde où en fait aujourd'hui on a une perte aussi de la hiérarchie des valeurs. Aujourd'hui, la vie de quelques prix Nobel est remise en cause par deux, trois internautes lambda qui contestent les connaissances scientifiques. Alors,
c'est vrai, nous sommes passés d'un monde aussi à un autre. Avant, la science, elle était seulement diffusée un petit peu de haut en bas. Aujourd'hui, il est normal, et je pense que tous, là, dans la salle, vous êtes convaincus qu'il faut donner de son temps pour expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et répondre aux questions, et donc partager le plaisir de ces connaissances scientifiques. On voit bien que les temps, ils ont changé. Alors, on a quand même aujourd'hui à faire face, et moi, je l'ai vécu de plein fouet, toute cette affaire-là, et avec aussi une évolution. On a démarré, nous aussi, notre activité dans un centre commercial, et j'ai été frappé, moi, lorsque des visiteurs venaient nous voir, il y a une vingtaine d'années, Gilbert, hein, en me disant, mais les tomates transgéniques, bah, finalement, elles n'ont pas de gènes. Où j'entendais, lorsqu'on avait présenté une exposition, tous parents, tous différents, mais de toute façon, les noirs, Michel, ils courent plus vite que les blancs, c'est comme ça. Et puis bon, alors je me suis bien rendu compte, déjà vis-à-vis du grand public, qu'il y avait vraiment une démarche à avoir d'explication de la science. Et puis aujourd'hui, on a une montée aussi de l'obscurantisme, des créationnistes, et puis aussi d'une confusion entre les sciences et les croyances. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vécu très fortement à Rennes, puisque vous me parlez, vous souhaitiez, hein, Christophe et Dominique, qu'on parle d'expérience. Moi, j'ai été frappé, on a interdit à des enfants de venir à l'espace des sciences chez nous au planétarium, parce qu'il y avait de la musique. Parce que aussi on parlait du Big Bang, de la création de l'univers, qui ne serait pas celle qui aurait eu présenté dans des textes religieux fondamentaux. Lorsque j'étais en Tunisie, j'ai rencontré Fawzia Sharfi, qui a écrit un beau livre, La science voilée, et elle-même, lorsqu'elle donnait des cours de physique à l'université de Tunis, c'est pas loin de l'Orient, hein, tout cela, on lui a dit, mais madame, arrêtez, la vitesse de la lumière, dans le Coran, c'est écrit qu'elle est infinie, elle n'est pas à 300 000 km par seconde. Donc on a ça quand même aujourd'hui autour de nous. Donc il faut que on fasse bien la différence entre les sciences et les croyances. On peut être scientifique et être croyant, mais il ne faut surtout pas mélanger les deux. Et aujourd'hui, c'est devenu pour moi quelque chose de très important, cette affaire-là, parce que y a cette confusion, il y a ce risque aussi aujourd'hui. Et je pense qu'on n'est peut-être qu'au début de tout cela. Je vous le dis très franchement, on n'est peut-être qu'au début de tout cela. Après, ça a été dit, on en a parlé. Aujourd'hui, on a la montée d'Internet qui nous apporte énormément de belles choses, mais aussi qui remet en cause plein de choses. Donc il faut aussi aujourd'hui avoir une culture, au-delà de la culture scientifique, technique, industrielle, aussi une culture numérique. Parce qu'il faut qu'on puisse promouvoir la pensée rationnelle, l'esprit critique, enfin bref, tout ce qui nous anime au niveau de la diffusion de la connaissance. Alors dès que vous m'avez parlé d'expérience tout de suite, et je regarde Anaïg, mais je me suis dit, aujourd'hui, on a les plus beaux outils qui soient avec l'informatique, les réseaux, comment notre D2RT en a parlé tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. On a la chance quand même de vivre dans ce monde, mais on a plus que jamais besoin des médiateurs scientifiques. Je pense que les scientifiques, puis même tout ce que vous êtes autour de nous, vous êtes des passeurs de science. Quand vous faites vos activités avec les jeunes, vous, monsieur, également, qui avez accompagné des enfants dans le port, je pense qu'on a besoin de ces médiateurs scientifiques. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel pour mieux expliquer la science que d'être des êtres humains. Il a beau avoir Internet, des machines, des jeux, des interactifs, etc. Les médiateurs scientifiques, ils s'adaptent aux enfants à 3 ans, à 4 ans, à 10 ans, à l'adolescence. Ils répondent et ils ont cette sensibilité que les machines n'ont pas. Et ils savent s'adapter finalement aux différents publics. Nous-mêmes, on a changé au cours de notre vie, mais le moteur de tout reste quand même la curiosité qu'on a tous pour comprendre le monde. Mais les médiateurs scientifiques, je pense qu'il faut leur tirer un bon coup de chapeau. Hein, Dominique, Anaïg, tous les personnes de la Maison de la Mer, hein, tous ceux voilà, qui sont là. Voilà, qui sont avec nous. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai toujours à l'esprit que j'ai eu ma vocation de scientifique au Palais de la Découverte, enfant, et que l'esprit de Jean Perrin était de montrer la science en train de se faire. Et ces médiateurs, là, aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de très important, parce que, finalement, ils s'adaptent en permanence au public.
Alors, bon, moi, vous l'avez compris, hein, je ne veux pas être trop long non plus. Je pense que la science, elle ne vaut que si elle est partagée. On a plein d'expériences aujourd'hui où nous aussi, à l'Espace des sciences, on a reçu des grands livres des créationnistes, là, d'Arun Yahya. On a toutes ces informations là, que je vous ai livrées un petit peu, qui nous entourent et qui sont alarmantes. Mais on a, je pense, de belles raisons d'espérer quand même, parce que je crois que la science, elle peut nous aider à faire reculer la violence, l'obscurantisme, parce que c'est elle qui nous permet de comprendre le monde. Et alors, en Bretagne aussi, on a de la chance d'avoir un public curieux, d'avoir une région, une identité culturelle forte. Et je voudrais d'ailleurs excuser Bernard Pouliquen, notre vice-président à la recherche, à l'enseignement supérieur, à la culture scientifique, parce que c'est lui qui a porté ce pôle Bretagne culture scientifique au départ. Et le fait de travailler en réseau aujourd'hui, je pense, peut nous aider justement à construire une belle région en matière de culture scientifique. Et puis pour terminer, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guy tout à l'heure et Dominique. Je pense que la Maison de la Mer, et en présence des élus, M. Douard, Mme Williamson, faut remonter ça au président, au maire. On a besoin que la Maison de la Mer, l'Espace des sciences, ait aussi maintenant besoin d'un lieu identifié. C'est ce que tu as dit, Guy. Moi, je réagis par rapport à ce que tu as dit en conclusion de ton exposé. Nous-mêmes, lorsqu'on a démarré à Rennes, Bon, c'était aussi à l'époque, il y a 30 ans, on travaillait en réseau, Gilbert, hein, on essayait de construire ensemble, et il faut continuer, la base de tout cela est extrêmement précieuse. Mais on ne peut que souhaiter pour le 21e siècle que l'Espace des sciences Maison de la Mer dispose d'un lieu identifié avec des médiateurs scientifiques. Et nous, en tout cas, nous, Guy, on sera là à l'Espace des sciences comme on l'a toujours été pour vous aider à construire ce 21e siècle. Bon, et puis pour paraphraser quelque chose d'assez marrant qui m'avait marqué une fois, c'était Hubert Curien qui avait expliqué ça. Mais André Malraux, il avait dit le 21e siècle, il sera religieux, il ne sera pas. Alors lui, il pouvait se permettre, hein, André Malraux. Mais bon, moi, je dirais que le 21e siècle, pour vous faire plaisir, il sera celui des Espaces des sciences et de la Maison de la Mer, où il ne sera pas. Merci, merci Michel. Hein. Témoignage d'experts et d'acteurs engagés, vous l'avez bien senti, de la CCSTI en Bretagne. Questions, et puis ensuite, oui, plusieurs questions. Alors, dans l'ordre, madame, ensuite, excusez-moi, Gérard, et après, voilà, on y va. Madame. Juste une petite remarque. Donc, je suis citoyenne lambda. Et ai connu la Maison de la Mer et ai vu sa naissance, donc dans un lieu bien spécifique qui malheureusement a été, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, détruit. Mais c'est vrai que pour une personne qui habite Lorient ou l'agglomération de Lorient, chercher la Maison de la Mer, eh ben, il faut la trouver. Donc je rejoins tout à fait ce que vous dites, parce que c'est un long combat que je connais très bien. Et il serait vraiment souhaitable que, je pense, la municipalité de Lorient et l'agglomération mettent vraiment les moyens pour qu'il y ait un lieu vraiment précis, connu de tout le monde. Merci. Visible. Merci. Alors, là, moi, je suis aussi ancienne enseignante. Je peux vous dire qu'il y a très beaucoup d'enseignants en dehors de Lorient qui ne connaissent pas la Maison de la Mer. Donc, il y a quand même un souci. C'est les discours entendus aujourd'hui sont tout à fait passionnants, scientifiques, mais malheureusement, moi qui suis de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un peu centré sur vous-même, entre scientifiques. Mm-hmm. Donc il faudrait que le discours soit un peu plus large et ouvert. Voilà, c'est tout. C'est une petite réflexion personnelle. Dominique, Guy, peut-être par rapport à ça, parce que il m'avait échappé, même si malheureusement nous n'avons plus de vrais lieux physiques. Enfin, on a encore quand même des locaux où on peut accueillir. Et c'est quand même à côté du centre François Toulec, c'est proche de la base de sous-marins, et ça jouxte l'Ifremer, quand même un lieu d'une haute légitimité. On a quand même un endroit aujourd'hui. Peut-être quelques remarques sur. Il m'avait semblé quand même que le travail fait par le CCSTI était largement identifié. Guy, Dominique. Que le travail est identifié, c'est évident. On n'est pas reconnu comme ça, on n'a pas le 150 partenaires autour de nous, si on était toujours inconnu du territoire. Par contre, pour le grand public, je continue à dire, et c'est ce que j'ai dit en conclusion,
je pense qu'un lieu bien identifié permet effectivement à un moment donné, c'est pas obligatoirement des milliers de mètres carrés, hein, qu'on soit clair, mais j'ai vu aussi, puisqu'on a eu la chance de travailler ensemble avec Michel, que le fait d'accéder au champ libre a donné une autre dimension aussi à l'espace des sciences de Rennes. Donc c'est vrai que dans cet espace-là, il y a aussi le planétarium, il y a le musée de Bretagne, mais tout ça a fait que c'est vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas un Rennais qui ne connaît pas les champs libres. Aujourd'hui, à Lorient, beaucoup de gens connaissent la Maison de la Mer, beaucoup de professionnels, de scientifiques, les gens d'Ifremer, les marins-pêcheurs, ils nous connaissent. Maintenant, si on avait un lieu bien identifié, je pense qu'on aurait fait encore mieux que ce qu'on a fait. Merci Guy. Il y avait une question de Gérard Bavouzet et une autre question donc à Tribord. Gérard. Oui. Une petite remarque pour Michel, où je suis complètement en accord, bien au contraire, mais on qualifie les gens, les médiateurs scientifiques de passeurs, oui. Mais il ne faut pas oublier que les autres qui critiquent tout, qui empêchent les gens de découvrir cette science, ce sont bien les trépasseurs. Et ça serait intéressant de garder ce terme-là, je pense. Merci pour ton mot, Gérard. Et pour la question, on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets de culture scientifique, technique, industrielle en Bretagne. Et là, ça s'adresse plutôt à Yannick Pont, donc à travers Melglas, qui fait un bon boulot au niveau mairie littorale, en faisant une approche de démocratie participative en associant la population. Tous ces projets de culture scientifique, technique, industrielle, avec la réduction des financements publics, les efforts que peuvent faire les collectivités locales avec des moyens qui ne sont pas comparables à ce qu'un État pourrait avoir ou une région, ne risque-t-il pas d'y avoir une concurrence entre ces différentes structures de culture scientifique, technique, industrielle, et qui dit concurrence, dit arbitrage, et quels seront les niveaux de classement? Je suis modeste technicien, agent des services et non élu, donc je vais faire une réponse de technicien. On travaille en tout cas à ce qu'il y ait au maximum, c'est la culture bretonne, ça a déjà été mentionné à plusieurs reprises, à travailler en réseau, à travailler en complémentarité, en mutualité autant que possible. Il est vrai que, ceci dit, il y a des logiques, des dispositifs contradictoires, des tendances contradictoires dans l'action publique qui sont identifiées depuis un certain nombre d'années, mais je pense qu'on est de plus en plus conscients, c'est qu'on fonctionne beaucoup par appel à projet, peut-être trop, et que les logiques d'appel à projet génèrent aussi des logiques de mise en concurrence des acteurs. Donc on réfléchit à travailler à de nouvelles modalités de financement. Pour l'instant on tâtonne, on va voir ce qu'on peut expérimenter, sachant que les acteurs eux-mêmes ont pris l'habitude des appels à projets et que des fois on est étonné de voir à quel point ils en réclament. Donc voilà, ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'effectivement, enfin en tout cas, on travaille à éviter la mise en concurrence et plutôt à rester dans des logiques de coopération et de mutualisation. Et je pense que c'est quelque chose d'assez partagé au sein des collectivités et qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui souhaiteraient aller vers ça. Bien, merci. Tristan ? Je voudrais simplement nous excuser, moi et Emmanuel, de vous quitter malheureusement cette réunion. Nous avons une réunion en mairie de Lorient. Voilà, c'est juste pour pas vous pensiez que nous avons un désintérêt pour nos échanges. Voilà. Non, merci à vous deux pour votre participation, pour vos témoignages et pour votre soutien. Voilà. Bien, il y avait une dernière intervention et ensuite on passera à la dernière communication. Jean Tonnerre, ancien patron de pêche. Moi, c'était pour remercier la Maison de la Mer parce qu'à l'époque où j'étais en activité, c'est-à-dire dans les années 60 à 80, on peut dire que le port de pêche était inconnu, malgré qu'il y avait de grands apports et de l'argent qui arrivait dans l'Orient, c'était pas connu. Mais je reconnais qu'actuellement, il y a des connaissances, et c'est grâce à la Maison de la Mer. Et j'ai une autre question, c'est avec, dans les années 60, le professeur Postel, qui était à Rennes, c'est lui qui a lancé les études halieutiques et qui avait organisé l'assistance dans le golfe de Gascogne. Donc moi, j'ai participé pendant 5 ans et grâce à cette collaboration, on peut dire que ça a été efficace parce que moi, j'ai des témoignages, des films, j'ai des photos et des articles de presse. Sur une année,
je devais faire entre 1000 et 2000 interventions sur des bateaux. Et ça, on peut dire, c'était grâce justement au professeur Postel, et qui est à l'initiative des études halieutiques. Voilà. Merci Jean pour ton témoignage. Nous allons terminer par notre collègue Christiane Carré. On lui a demandé de nous parler des expériences concrètes qu'elle mène à l'interface entre l'Université de Bretagne Sud et puis le CCSTI, notamment pendant la fête de la science. C'est ça. Un PDF, ça donc je peux mettre en 100% si tu veux ici. Mais c'est un fichier PDF. Attends, je suis allé trop loin. On va mettre en pleine page. Ah, dans ça. Une option. C'est celui-là. Ouais, ou par exemple. Je suis allé trop loin, il faut le reculer. Vas-y, non, c'est bon. Voilà. Pas en pleine page. Je pense que ça. Bon, non. Si tu regardes derrière, Christiane, tu vois, je pense que tout le monde pourra voir. Hein. Mais c'est pas le bon. C'est pas le bon, il n'y a pas les animations. Il y a une tentative de sabotage de la part de la directrice du CCSTI. Vous assistez en direct à ça. Christiane, as-tu ton support? Tu vas pouvoir faire avec ça. Bah ouais, mais je me suis cassé la tête. Oh, allez, le mieux étant l'ennemi du bien. À faire des animations. Bon, bah tant pis. Si, ça va le faire. Je peux tester. Toi, t'as fait un PowerPoint. Ah bah c'est mieux. Avec des animations. C'est mieux un PowerPoint, en effet. Voilà, le premier. Voilà. Ah. Ok, voilà. Très bien. Voilà, merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Christiane Carré, chercheure CNRS. Donc, je dépends du Centre national de la recherche scientifique. Et j'effectue mes recherches au sein du laboratoire Photon, fonction optique pour les technologies de l'information. Je suis en fait une chimiste dans le monde de l'optique, de la photonique et de tout ce qui est télécommunication par utilisation de la lumière. Alors, lorsque je suis entrée dans ce laboratoire, j'ai été tout d'abord à Télécom Bretagne, à Brest, jusqu'en 2010. Et c'est en 2010 que j'ai eu l'opportunité de venir à Lorient. Parce que un des professeurs de l'Université de Bretagne Sud partait au Chili et je suis venue occuper son siège. 2010, c'est aussi l'année où on fêtait les 50 ans du laser. Première démonstration d'émission de lumière laser, ça date de 1960. Et donc 2010, c'était un événement très important pour le laboratoire où j'étais, qui était le laboratoire qui portait le projet de fête des 50 ans du laser pour toute la France. Du coup, comme je venais sur Lorient, une des questions du directeur du laboratoire avait été « Christiane, tu veux partir à Lorient ? Ben écoute, débrouille-toi avec le Morbihan, mais porte le projet à la lumière du laser pour le Morbihan. » Du coup, je ne savais pas, moi je débarquais dans le Morbihan. Enfin, je ne débarquais pas vraiment parce qu'en fait, je suis lorientaise d'origine. Je suis née à Lorient et j'étais au lycée du Puy-de-Dôme en classe prépa. Mais je ne connaissais pas vraiment encore l'Université de Bretagne Sud et je ne connaissais pas les différents partenaires. Et en fait, c'est l'un de mes collègues, Pierre-Emmanuel Durand, qui avait eu l'occasion de travailler avec Dominique Petit, qui m'a proposé de m'adresser à Dominique. Et du coup, Dominique, immédiatement, m'a proposé de participer à la fête de la science. Et du coup, cette année-là, on avait monté un atelier sous le chapiteau qui s'intitulait « Laser, hologramme et biodiversité ». Parce que bon, moi, je portais la fête, les 50 ans du laser. Mais cette année-là, pour la fête de la science, la thématique était tournée vers tout ce qui était biodiversité et entomologie. Et du coup, on avait essayé d'établir un lien.
à cette occasion, eh bien, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes. J'ai porté aussi le projet au niveau de la fête de la science sur l'Orient, mais aussi sur Vannes, ce qui fait que j'avais complètement rempli mon contrat vis-à-vis de mon laboratoire. Et pour Photon, ce fut une opération tout à fait positive. Et du coup, j'ai pu gagner jusqu'à aujourd'hui le siège sur lequel je suis assise à l'Université de Bretagne Sud. Ça a été aussi l'occasion pour moi de rencontrer différents enseignants avec qui je collabore toujours. En particulier, à partir de 2010, j'ai participé chaque année à la fête de la science sur l'Orient, tout en étant aussi présente à la fête de la science sur l'Agnon. Oui, mon laboratoire, ma résidence administrative reste quand même l'Agnon, à l'ENSAT. Et du coup, j'aide aussi les étudiants sur l'Agnon pour monter leur stand. Mais je suis restée chaque année présente sur l'Orient. Alors en 2011, j'avais monté, comme c'était 2011, l'année de la chimie, eh bien, j'avais monté un atelier qui s'intitulait « Couleurs, colorants et vie quotidienne ». Et en plus, on avait eu l'occasion de présenter une conférence qui s'intitulait « Quand chimie et lumière se rencontrent » au niveau des scolaires, parce que l'un de mes collègues, parce que je suis une ancienne de l'école de chimie de Mulhouse, et mon collègue Patrice Jacques, la première personne que l'on voit en avant de la photo, est venu de Mulhouse pour participer à mes côtés à la fête de la science à l'Orient. Et du coup, nous avions animé cet atelier. L'année suivante, on s'était plus intéressé à tout ce qui était fluo et phosphorescence. Ensuite, en 2013, l'atelier s'intitulait « Voir l'invisible ». Là, ça avait été l'occasion de découvrir les différentes techniques de microscopie. J'avais un microscope sur le stand, mais on avait aussi fait découvrir le principe de fonctionnement du microscope électronique à balayage et aussi du microscope à force atomique. On avait une petite maquette et les enfants avaient pu découvrir le principe de fonctionnement de ce microscope. En 2014, je suis quand même dans un laboratoire d'optique. Là, on s'était intéressé aux fibres optiques, à tout ce qui est guidage de la lumière dans les fibres optiques. Donc, c'est quelque chose qui avait permis d'expliquer aux jeunes, mais aussi au grand public, eh bien, quand on est devant l'ordinateur et qu'on pose une question à Google et qu'on tape sur Enter, après, on voit la réponse apparaître, mais comment que ça se passe, sachant que Google et les ordinateurs, tout ce qui est ordinateur de Google se trouve aux États-Unis. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Et donc, on avait parlé de tout le réseau de fibres optiques qui est installé au niveau mondial et en particulier au fond des océans. En 2015, on s'était intéressé aux origines de la couleur. Et en même temps, j'avais managé, en fait, je n'avais pas le même atelier pour les scolaires que pour le grand public. On s'était intéressé aussi à la photonique en Bretagne. Donc là, mon partenaire était Photonics Bretagne. J'avais fait découvrir au grand public les activités de Photonics Bretagne. Et j'avais ma collègue Isabelle Hardy de Photon qui était venue me rejoindre. Et du coup, on avait pu faire atelier où on séparait les jeunes en deux groupes différents de façon à leur faire différentes expériences. En 2016, on s'est intéressé à l'information grâce aux cristaux liquides, donc tout ce qui est écran plat en particulier. Et là, c'est mon collègue Bruno Vinouz de Télécom Bretagne qui était venu et qui avait mis à notre disposition tout un écran d'ordinateur que l'on avait démonté et on avait pu expliquer aux enfants comment est-ce qu'on le faisait pour afficher une information sur un écran d'ordinateur. Et en 2017, donc au mois de novembre dernier, là, on s'est intéressé à tout ce qui est eau et lumière. Donc, on avait un atelier où on a essayé d'expliquer aux enfants, il y a de la lumière sous l'eau, dans les océans, mais pas jusqu'à n'importe quelle profondeur. Et tout dépend de la couleur de la lumière. On leur avait expliqué qu'au-delà de 500 mètres, les poissons, ils voient la vie en bleu,
par exemple. Et donc, on était sur un atelier qui était en liaison directe avec la maison de la mer. Donc, tout cela m'a permis de rencontrer des enseignants et certains enseignants, lors de la fête de la science, retiennent mes coordonnées et me recontactent par la suite. Et en particulier, il y a Léna Le Foll, enseignante, enfin professeure des écoles en classe de CM1-CM2 à Nouvelleville, qui s'est adressée à moi. Et en fait, on s'est immédiatement bien entendu. Et pendant 2 années de suite, eh bien, moi, je l'admirais. J'admirais Léna parce que elle faisait des cours en breton dans sa classe. C'est une classe bilingue. Mais ce qu'elle m'a dit, elle me dit, moi et les sciences, alors là, j'y suis allergique. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, pas de problème. Je suis chercheur CNRS, mais ça ne fait rien. Je prendrai un peu de mon temps. Et je vais venir dans ta classe faire des cours de sciences. Donc, j'avais pris en charge les cours de sciences avec les enfants de sa classe. Et du coup, on travaillait par groupe. Et compte tenu de tout ce que les enfants avaient fait, on a proposé en fin d'année aux enfants de faire une présentation du travail, d'une partie du travail effectué en sciences à l'amphi Paul Ricoeur, donc devant les parents, devant le grand public, parce qu'à chaque fois, cette présentation était associée à une autre conférence, donc ça se passait à Dupuy-de-Lôme. Et en 2015, la présentation des enfants s'intitulait « Les colorants de nos feutres ». Et en 2016, on avait travaillé sur lumière et couleur. Pourquoi ? Parce que la lumière a un rôle fondamental. Si on n'avait pas la lumière issue du soleil, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et ce sont des moments très, très chaleureux où là, c'est les enfants qui avaient présenté au grand public l'ensemble de leur travail. Simultanément, j'ai établi des liens en particulier avec Guillaume Migné au lycée du Puy-de-Lôme. Cette année, j'étais à la fête de la science au lycée du Puy-de-Lôme. Bon, simultanément, même si je suis chercheur CNRS, je reste quelqu'un passionné d'enseignement. Et j'interroge interrogation orale en classe préparatoire aux grandes écoles à Dupuy-de-Lôme. Mais je suis aussi, j'aide les élèves aussi bien pour les TPE en classe de première scientifique que pour les TIPE. Donc là, c'est deuxième année de classe prépa. Et désormais, je suis présente au niveau de l'UDPPC, donc Union des professeurs de physique et chimie. Ça, c'est grâce à Guillaume Migné, qui est le président de l'UDPPC Bretagne. Et dans ce cadre-là, étant simultanément présente à l'Université de Bretagne Sud et à l'ENSAT à Lannion, j'ai organisé une journée d'accueil des enseignants du secondaire à l'Université Bretagne Sud il y a un an. Et il y a 2 ans, j'avais organisé une journée d'accueil à l'ENSAT. J'ai rencontré Guillaume Migné, mais j'ai aussi, en 2010, j'ai rencontré Pierre-Yves Robin, professeur de sciences physiques du collège de Quérentré. Et Pierre-Yves Robin manage le club Astro, un club Astro au collège de Quérentré. Bon, c'est le collège où mon fils était présent dès 2010, quand nous sommes arrivés à Lorient. Il y a des liens qui se sont établis et depuis 2012, eh bien, je suis aux côtés de Pierre-Yves Robin pour animer ce club Astro. C'est l'occasion pour nous d'accueillir les jeunes du club Astro, en particulier à l'Université de Bretagne Sud. On les accueille dans les salles de visioconférence, donc dans les salles de réalité augmentée, parce que j'organise des conférences avec mes collègues, soit de l'ENSAT à Lannion, soit de Télécom Bretagne à Brest. Et par ailleurs, chaque année, on leur organise une journée de travaux pratiques en physique à la faculté des sciences de Lorient. Alors sinon, par l'intermédiaire de la Maison de la Mer, eh bien, j'ai participé en 2013 à Clown de Sciences,
À ce moment-là, bon, il y avait tout un spectacle. Il y avait deux artistes qui étaient présents et qui avaient fait quelques expériences de physique et de chimie. Et donc, moi et mon collègue Pierre-Emmanuel Durand étions aussi présents de façon à apporter un second éclairage au niveau des enfants et à répondre aux questions des enfants de façon complémentaire par rapport aux artistes ce jour-là présents. Sinon, j'ai été amenée à être présente au niveau de l'ESAP, donc l'école des beaux-arts. Donc ça, c'est à la demande de la maison de la mère, où ce jour-là, j'ai été amenée à leur expliquer plein de choses sur les couleurs et à leur présenter la notion de couleur de façon complémentaire par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir avec les enseignants de l'ESAB. Moi, je suis arrivée, on a fait des expériences de décomposition de la lumière. Donc, on a pu voir que dans la lumière du soleil, eh bien, il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, on s'est intéressé, on utilise les boules de Noël où on a trois diodes électroluminescentes avec les trois couleurs fondamentales, rouge, vert et bleu, de façon à générer l'ensemble des couleurs et à expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est que la synthèse additive des couleurs, ce qui est utilisé au niveau de leur écran de télévision à la maison. Alors que eux, lorsqu'ils font de la peinture au niveau de l'ESAB, ils mélangent différents colorants et à ce moment-là, on fait de la synthèse soustractive. Et c'était un moment où très riche parce qu'en plus, les enseignantes étaient présentes et il y a beaucoup d'échanges parce que ça interpelle les enfants. Alors que lorsque vous leur présentez en cours de façon classique en classe de seconde, cette notion de synthèse additive et de synthèse soustractive, ben, en général, ça leur passe au-dessus de la tête. On a un petit peu de mal et on n'a pas suffisamment de temps. Alors que là, si on part vraiment du dessin et qu'ils ont fait d'abord tout leur dessin, c'est beaucoup plus facile d'introduire les notions. Sinon, grâce à la maison de la mère, donc j'ai rencontré Guillaume Minier, mais j'ai aussi rencontré Pascal Desmaux de la ville de Lorient. Et en 2015, c'était l'année de la lumière. Donc l'année de la lumière, eh bien, c'est le laboratoire dans lequel je suis était un des porteurs du projet de la lumière au niveau de la Bretagne. Et ce projet s'appelait Luminaise. Et dans ce cadre-là, ben, j'ai à nouveau pris la responsabilité d'organiser différentes actions liées à la lumière sur la Bretagne. La Maison de la Mer a été très active au cours de cette année. C'était un de mes partenaires. Et grâce au lycée du Puy-de-Dôme et à la ville de Lorient, on a pu mettre un festival en place au mois de mars 2015 qui s'appelait La Lumière et la Vie, où nous avons fait deux journées où nous avons reçu des scolaires, mais aussi des étudiants. En fait, on prenait, par exemple, on a pris des élèves de classe préparatoire pour faire des expériences de démonstration pour des élèves de terminale. On avait pris les élèves de terminale pour qu'ils soient les enseignants des secondes. Et c'était les élèves de seconde qui avaient été les enseignants pour les élèves de collège. Et c'est un format qui avait suscité pas mal de questions de la part des enfants et où on avait vu des enfants plus intéressés que lorsque c'est l'enseignant qui leur parle. Et c'est un format qu'on a renouvelé par la suite avec Guillaume Minier. Sinon, il y a le projet Explorade. Un jour, il y a eu un jour où Dominique m'a dit « Christiane, écoute, t'es entourée de pas mal de personnes. Est-ce que tu pourrais pas nous trouver un partenaire pour essayer de mettre à profit les nouvelles technologies au niveau de la Maison de la Mer ?» Bon, sur le coup, je dis « Oui, je vais voir. » Et puis, j'ai réfléchi et j'ai proposé à Dominique d'entrer en contact avec Télécom Bretagne et c'est de là qu'est née Explorade.
donc de la rencontre entre Photon, l'Université de Bretagne Sud et l'IMT Atlantique. Alors sinon, bon, bah, j'ai participé, j'ai mis en place différentes conférences pour les lundis de la mer, en particulier celle de Patrick Cormier, en 2016. Donc tout cela a permis de mettre en place un réseau d'échanges entre différents partenaires, donc entre l'Université de Bretagne Sud, mais finalement aussi l'Université de Rennes 1, puisque en fait, en tant que membre de Photon, je suis dans Rennes 1, et d'échanger avec la maison de la mer, et d'échanger, mais ça va dans les deux sens. À chaque fois, nous, Photon, on récupère, on peut récupérer aussi tout un savoir-faire, et en tant que chercheur, eh bien, la diffusion de l'information scientifique fait partie du rôle d'un chercheur, et c'est quelque chose que mon laboratoire met tout à fait à profit aujourd'hui, et raison pour laquelle je suis toujours présente à Lorient, même si je devrais être assise à Lannion. Alors, pour 2018, ben, on continue. 2018, on a mis en place le concours de croissance cristalline pour toute la Bretagne. La Maison de la Mer s'associe à nos côtés à ce concours. On est en cours de discussion. Le partenariat avec le club d'astronomie continue. Et en particulier, j'ai réussi à inviter un astrophysicien pour le mois de mars prochain, où on aura une belle conférence sur Uranus au lycée du Puy-de-Dôme. Et avant, il sera présent au collège de Quérentré. Et en fait, on va mettre en place un dialogue avec l'ensemble des élèves de 4e. Et sinon, il y a un projet de conférence qu'on est en train de mettre en place avec Anaïk actuellement, qui est en relation avec le CHUM. Et maintenant, je tiens à remercier l'ensemble du personnel de la Maison de la Mer pour tout ce que j'ai pu faire avec vous, tous les échanges que j'ai pu avoir. Je crois que ça va dans les deux sens. Et puis, un clin d'œil tout particulier à Dominique. Merci. Merci Christiane pour ton témoignage. Donc, je crois qu'à travers cette communication, vous allez pouvoir toute la richesse des collaborations, la densité finalement aussi de ce qui est produit par le CCSTI, la Maison de la Mer. Il me reste qu'à remercier Guy. Tu concluras bien évidemment, mais il me reste à remercier les intervenantes, les intervenants hein, qui nous ont fait la sympathie alors de se déplacer de Rennes pour une partie d'entre eux, et puis de répondre à cette invitation. On avait souhaité une table ronde, on s'est dit qu'au fond, pour célébrer un anniversaire de 30 ans, on est là pour faire de la médiation entre les acteurs de l'université, de la recherche, des technologies, et puis eh bien, le public large que vous êtes. On s'est dit que ça pouvait être un format intéressant. Alors, notre ami Tristan Douard me parlait de l'université qui ne sortait pas de ses murs. Eh bien, avec une certaine ironie maléfique, vous l'avez vu, on a essayé de vous amener les méthodes de travail de l'université, c'est-à-dire des tables rondes, ou à l'issue desquelles, à l'issue des échanges et des présentations, c'est un petit peu long, je peux le reconnaître, mais vos remarques, vos éclairages, tout ça, ça va venir nourrir nos réflexions en amont, et c'est comme ça qu'on aime travailler dans les universités. Donc merci également pour vos interventions, pour les témoignages qui ont été apportés. Je crois que le moment est venu de laisser la parole à Guy pour le mot de la fin. Je ne vais pas, j'avais prévu de faire une conclusion de tout ce que j'ai noté, mais je vais vous rajouter 10 minutes de plus, et je pense que là ça va être un petit peu long. On a entendu en plus qu'à côté ils étaient en train de casser la vaisselle tellement ils étaient impatients de nous servir à boire. Donc oui, non, c'est pas bien de dénoncer vos camarades, les médiatrices du CCSTI. Donc Guy, le mot de la fin, notre président. Oui. Donc d'une part, je voulais vous remercier pour votre présence, votre patience éventuelle, parce que c'est vrai que les présentations au niveau de la table ronde sont extrêmement variées. Donc vous avez tous les uns et les autres des intérêts aussi variés, avoir été patient. Et puis, dans toutes ces interventions de qualité égale, il m'est quand même venu une réflexion aussi, comme mon collègue Michel Cabaret, sur l'obscurantisme. Et directement appliqué à ce que nous avons vécu depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on a connu l'évolution du système des pêches maritimes. Il y a 30 ans, on ne se posait pas tellement de questions, c'était encore l'époque des rubans bleus, et on nous livrait mer, tout le monde, c'était pêcher plus.
Depuis, évidemment, les professionnels comme les scientifiques ont évolué, ont adapté leurs connaissances à l'évolution des milieux et de l'environnement. Et aujourd'hui, notre époque, et le travail fait par Ifremer consiste en particulier sur le RMD, le rendement maximum durable. Donc, en un mot, comme on dit, pêcher mieux. Au lieu de pêcher plus, c'est pêcher mieux. Que ce soit les industriels ou les artisans ici représentés, tout le monde a pris conscience de la nécessité de l'environnement et de pêcher mieux. Par contre, on a vu apparaître depuis ces 30 années, effectivement, une forme d'obscurantisme et de mensonge éhonté dans la presse et dans les moyens audiovisuels par certains écologistes. Il est hors de question de mettre tout le monde dans le même sac, mais il est évident que refuser les résultats des scientifiques de l'IFREMER ou des Espagnols ou de toute la communauté scientifique qui constate une amélioration des stocks de poissons et donc l'augmentation des TAC et quotas, c'est un non-sens scientifique et économique. Ça va mieux, il faut le dire. Quand ça allait mal, tout le monde était d'accord pour le dire. Quand ça va mieux, on n'a plus le droit de le dire. Et enfin, la diffusion de fausses informations. On a la chance d'avoir, comme dans notre public, Jean Tonnerre, qui a été un des grands patrons, comme on dit, de la pêche industrielle lorientaise. On accuse toujours les pêcheurs aujourd'hui, enfin certains écologistes, de détruire les coraux. C'est comme si un agriculteur s'amusait à aller... passer sa charrue dans un champ de pierre. Quoi. Évidemment que les pêcheurs ne vont pas sur les coraux. Les coraux vous détruisent votre chalut. Comme on disait à bord, à l'époque, on met tout en pillot. Donc évidemment, on n'y va pas. Donc ce sont que des mensonges, sauf qu'ils sont bien relayés. Et c'est une forme d'obscurantisme qui m'inquiète. Et à l'instar de mon collègue Michel, en tant que responsable de l'espace des sciences, je crois que notre boulot n'est pas terminé. Et j'espère que dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne sera plus là, mais on aura gagné la partie. Elle n'est pas évidente à gagner, hein, et c'est vrai que nos animateurs, nos médiateurs scientifiques ont encore énormément de travail pour faire passer les bonnes idées, les vrais résultats des sciences, et ne pas les déformer. Donc merci à tous, et puis je vous convie, hein, le petit pot de l'amitié.